Fika kwanja cheza mchezo ya kwetu we. Utatosha jasho yako mpaka kesho. Tutapumzika mpaka wafufuke wachezaji wa zamani. Neno sisi wote tutaimba mlugingine, ila wageni wasitusikilize. Siri ya mugini yetu tutaweza kuichunga namna hiyo. Neno, neno. Kuta mwili wako na tingzika unavyopenda. Changamka unavyotaka, fura unavyona neno. Neno, neno. Kuta mwili wako na tingzika unavyopenda. Changamka unavyotaka, fura unavyona neno. Tutaimba mlugingine, ila wageni wasitusikilize. Siri ya mugini yetu tutaweza kuichunga namna hiyo. Neno, neno. Kuta mwili wako nda tingzika unavyopenda. Changamka unavyotaka, fura unavyona. Changamka unavyotaka, fura unavyona neno. Neno, neno. Kuta mwili wako nda tingzika unavyopenda. Changamka unavyotaka, fura unavyona neno. Changamka unavyotaka, fura unavyona neno. Tingzika unavyopenda. Changamka unavyotaka, fura unavyona neno. Neno, neno. Kuta mwili wako nda tingzika unavyopenda. Changamka unavyotaka, fura unavyona neno. Merci. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you.
Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Merci beaucoup d'être branchés sur Ma Ruche chez vous. Merci de prendre rendez-vous pour cette première émission de l'année 2020. C'est un plaisir pour moi d'être encore chez vous aujourd'hui pour partager ce moment ensemble. Merci énormément à vous tous qui êtes fidèles depuis 2019, qui a continué à accompagner cette émission en 2020. Je suis tellement content de savoir que vous êtes toujours là pour accompagner cette émission Ma Ruche chez vous, l'émission que j'ai le plaisir et le bonheur de vous présenter depuis Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Où que vous soyez à travers le monde, bienvenue. Si c'est pour la première fois, nous vous souhaitons également la bienvenue dans cette émission et nous espérons que vous allez évidemment passer une très bonne soirée en notre compagnie dans cette émission Ma Ruche chez vous, où que vous soyez, que ce soit ici aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Amérique, enfin partout, en Afrique. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous suivre depuis la République démocratique du Congo. Nous vous disons encore merci de votre fidélité, merci d'être là. Merci de partager ce moment avec nous. La meilleure façon de soutenir cette émission, c'est aussi de copier le lien et de la partager avec vos proches pour que vous puissiez ensemble suivre cette émission où que vous soyez à travers le monde. Donc cette première émission, Ma Ruche chez vous, vous avez vu le titre, donc c'est une première émission de l'année. Nous osons croire qu'elle va bien se passer pour ouvrir les portes de toutes les émissions de 2020. En tout cas, en 2020 aussi, nous allons essayer de faire en sorte d'être chez vous tous les jours, sauf les mardis et les jeudis, pour vous présenter donc cette émission Marius chez vous. Une fois de plus, merci. Vous avez vu notre nouveau plateau. Et là, j'espère que vous aimez ce nouveau plateau pour 2020. Disons ce nouveau plateau qui va nous accompagner tout au long de l'année 2020. J'espère que vous aimez, j'espère que vous vous sentez à l'aise. Sinon, dites-le nous si vous ne l'aimez pas, parce que nous aimons bien faire des choses que vous aimez dans cette émission Marius chez vous. Le titre de l'émission, vous l'avez vu, dans cette émission aujourd'hui, nous parlerons de deux sujets. Le tout premier, c'est cette observation du cardinal Ambongo de la République démocratique du Congo après sa tournée à l'est de la République démocratique du Congo. Vous l'avez sûrement suivi ici et là sur, il pense que la balkanisation de la République démocratique du Congo est de plus en plus réel. Avec d'autres déclarations par rapport, il a réagi notamment à la déclaration d'Adolphe Muzito, déclaration qui faisait état de faire la guerre au Rwanda. Nous le suivrons dans cette émission. Mais comme vous le savez, nous ne vous apportons pas que l'actualité. Nous essayons de comprendre ce qui se cache derrière, ce qui se dit. Qu'est-ce que la loi dit? Quel impact ceci peut avoir en cela? En tout cas, c'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre dans cette émission avec notre analyste de maison, Maître Aimé Kahungu sera avec nous depuis New York, depuis Dallas, au Texas, pour analyser tout ça. Et puis, en deuxième partie de cette émission, nous allons parler de cette réapparition de Nemwanda Nsemi qui réapparaît, qui s'autoproclame président de la République démocratique du Congo. Nous allons vous proposer ces images et ensemble, nous allons juger pour voir est-ce que qu'est-ce qu'on peut tirer de ces déclarations? Je pense que j'étais tellement pressé tout à l'heure que je n'ai pas pu arranger ma veste. Laissez-moi en profiter pour le faire. Voilà, voilà, c'est fait. Alors donc, je disais que Nemwanda Nsemi est apparu avec une déclaration fracassante d'autoproclamation du président de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'analyser le personnage et ses déclarations politiques avec Maître Aimé Kahungu tout à l'heure pour comprendre l'impact de ces déclarations par rapport à l'homme politique, s'il l'est encore, ou l'homme spirituel de Bundu Dia Mayala. Donc nous en parlerons tout à l'heure dans cette émission. Évidemment, la troisième partie, c'est celle que je préfère, c'est vous écouter, me dire ce que vous pensez de ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà donc l'ossature de notre émission Marius chez vous aujourd'hui. La première partie, nous allons suivre un extrait de la conférence de presse que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, a tenu après son séjour à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre attentivement le morceau que nous avons prévu pour vous. Et puis nous allons revenir tout à l'heure pour essayer d'analyser ces déclarations du cardinal. J'ai pu visiter l'ensemble de la zone. Dites rouge, Cocola,
Maïmoya, Mokoko, Oisha, Mabasele, Mavivi, Mbao, Paida, Ruangoma, etc. Le climat général est caractérisé par une misère que je qualifierais d'insupportable, de souffrance d'un peuple traumatisé. Il y a des massacres presque quotidiens dans cette partie. Des êtres humains égorgés froidement pendant la nuit. Et le temps, les 4 jours que j'ai passés, chaque nuit, il y a eu des massacres, y compris parmi les militaires. Comme conséquence, il y a déplacement de familles par peur d'être égorgées. Des villages abandonnés, une population terrorisée et traumatisée, moralement affaiblie, qui abandonne ses champs, ses maisons, son village pour aller vers le centre-ville comme Béni. Des actes de sabotage, des plantations polluées, parce qu'une fois ces gens partent, il y a d'autres qui occupent le terrain. Des enlèvements fréquents. Nous comptons jusqu'à maintenant 5 prêtres qui ont été portés disparus, enlevés par ces gens. Ils les ont amenés dans la forêt. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. On peut supposer le pire pour ces gens. Généralement, quand ils les emportent comme ça, ou ils sont massacrés, où ils sont intégrés de force dans leur milice, ou alors ils servent de main d'œuvre pour cultiver les champs pour eux et entretenir les plantations, particulièrement les plantations de cacaoyers. Notre analyse, ayant observé, ayant vu tout ça, je constate, et c'est remarquable quand vous êtes sur le terrain, qu'un plan guide le comportement de tous ces enseignants. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. Le constat montre clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. L'objectif final, c'est la balkanisation. Cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones. Et ça se complique parce que nous sommes à une frontière non pas du type naturel, naturel comme une rivière, mais la frontière est artificielle. C'est le même peuple que vous trouvez du côté congolais comme du côté ougandais. Nous sommes à Beni-Boutembo en face, sur Uganda. Vous avez le peuple Nandé du côté Congo. Quand vous traversez en Ouganda, il y a aussi des Banandé de ce côté-là. Lorsqu'on déverse le peuple de l'Ouganda, mais parfois ce sont des Nandé, et ça complique et ça brouille les cartes. C'est la même logique qui fonctionne au niveau de Rutshuru. Ça peut être de rwandophones, mais de ce côté, vous trouvez le même peuple. C'est la même chose que vous trouvez du côté de Fizi, le
territoire de Fizi, dans le diocèse d'Ouvira. Et étant donné que c'est le même peuple de part et d'autre, c'est très difficile de distinguer qui est qui. Cependant, il est capital de faire la distinction entre les rwandophones, le peuple venant du Rwanda, et qui vivent au Congo depuis des années, et qui sont devenus des Congolais. Aujourd'hui, personne ne peut contester leur nationalité. Vous trouvez ces peuples du côté de Uvira, ceux qu'on appelle de façon les Banyamulenge, les vrais Banyamulenge ou de rwandophones, de Congolais d'origine rwandaise, qui sont là depuis des années, personne ne peut contester leur nationalité congolaise. De la même manière, dans le Rutshuru, vous trouverez de rwandophones qui vivent là depuis des années. On ne peut pas contester leur nationalité congolaise. Vous remontez dans l'extrême nord, dans l'Ituri, vous trouverez de peuples à morphologie nilotique, ce sont les Hema. Les Hema, ce sont les Tutsis de l'Ouganda. Mais ils sont au Congo depuis des années. Personne ne peut contester leur nationalité. Donc ce n'est pas ceux-là qui font problème, parce que ceux-là sont considérés comme des Congolais. Ce qui fait problème, c'est le déversement des autres qui arrivent et on essaie de le faire passer comme les Congolais. Et le cas le plus criant, ce sont les immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a quelques années et on a fini par les déverser au Congo. C'est tout ça qui crée un sentiment de frustration, de colère de l'autre côté et confirme qu'il y a un plan de balkanisation derrière. Cette infiltration, ça concerne aussi notre armée. Il est remarquable, quand vous parlez avec les militaires, on se rend compte tout de suite que notre armée est même infiltrée. Ce qui crée un climat de méfiance de la part de la population vis-à-vis de l'armée. Il y a l'ambiguïté de la MONUSCO. Le peuple ne fait pas du tout confiance à la MONUSCO pour la simple raison qu'à côté des installations de la MONUSCO, on vient égorger des gens. Or, la mission principale de la MONUSCO, c'est protéger la population civile. Il y a une perception négative de la MONUSCO dans les chefs de la population. Un peu aussi derrière la MONUSCO, c'est l'ambiguïté de la communauté internationale. On ne sait pas très bien à quel jeu joue la communauté internationale à l'Est. Qu'est-ce faire devant cette situation? La pire des choses, c'est le désespoir. La situation à l'Est, qui est une situation très grave, très préoccupante, ça pourrait évoluer dans un sens comme dans un autre, en fonction de la prise de conscience au niveau national de la nature de ces problèmes et se donner que la nation se donne tout le moyen pour résister à ces plans. Il y a l'accès diplomatique. Il appartient à notre gouvernement de déployer son arsenal diplomatique pour convaincre le pays voisin, particulièrement l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, d'arrêter de déverser ces populations au Congo. Parce que quand nous parlons de la nécessité de réconciliation entre Congolais, mais on ne fait pas cette réconciliation avec des étrangers. Il y a réconciliation entre Congolais et il y a des peuples qui habitent l'Est, qu'ils soient d'origine
rwandaise. Dès lors qu'il est reconnu comme Congolais, il y a nécessité pour nous de chercher la réconciliation, le dialogue, pour que tout le monde puisse vivre en paix. Mais cette recherche de réconciliation ne fonctionnera pas si nous sommes face à des étrangers. Il appartient au gouvernement d'assumer sa responsabilité pour convaincre par la voie de la diplomatie ces trois pays d'arrêter, de cesser, de déverser sa population au Congo. Il y a l'axe économique et humanitaire. La situation de la population est dramatique. À cause de l'insécurité, comme je l'ai dit, la population a dû abandonner village, maison, ses biens, ses champs, ses plantations. Comment cette population va vivre dès lors qu'il ne peut plus vaquer à ses occupations? C'est la misère. Et notre cri face à cette situation, c'est que le gouvernement assume sa responsabilité, mais aussi que la communauté internationale puisse venir en aide à cette population avec de l'aide humanitaire. On ne peut pas laisser une population comme ça. Mais la vraie solution en définitive, ce serait que ces atrocités cessent et que le peuple puisse retourner chez soi, dans son village, dans ses maisons, pour continuer à vivre. Il y a l'axe sociopolitique. Nous avons constaté que dans cette partie du pays, et tout ça, ça alimente le conflit, il y a des chefs coutumiers qui ont été destitués dans le temps et qui sont frustrés. On a mis à leur place des gens qui n'ont pas la légitimité. Et ces chefs coutumiers qui ont été destitués, frustrés, mais ils sont tentés de se mettre avec les ADEF. Parce qu'ils espèrent peut-être avec les ADEF, ils vont récupérer leur pouvoir. Il appartient aux autorités de Kinshasa, notamment le ministère de la décentralisation, de prendre en charge ce genre de questions. Il y a un élément aussi qui existe, notamment à Maïmoya, là où des prêtres ont été enlevés, et qui peut être considéré aujourd'hui comme l'épicentre du conflit. Il y a une sorte de mixage culturel. Je vous ai dit ici que les ADEF, Nalu, sont au Congo depuis au moins 30 ans. C'est depuis l'époque de Mobutu. Pendant ces temps, ces gens ont eu à marier leurs filles. Qui dit mariage dit aussi des enfants. Tous ces enfants sont là. Et ça crée une situation difficile à déceler. Et naturellement, il y a des complicités. Ce n'est pas un papa qui va dénoncer sa fille et qui vit avec un ADEF. Ou l'enfant qui est né de ses mariages. La fille est avec son mari dans la bouche. Et papa élève la fille. Élève l'enfant. Ce n'est pas le grand-père qui va dénoncer son petit-fils, humainement parlant. Donc ce sont des choses qui compliquent la situation au niveau du terrain. Il y a aussi, on a constaté, des cas des arrestations arbitraires. Étant donné qu'on ne connaît pas très bien qui est l'ennemi, parce que l'ennemi est invisible, peut-être il est diffus dans la population, où il se retire dans la forêt, qu'il maîtrise très bien. Alors, des fois, il y a des dénonciations, des arrestations, et ces gens ne sont pas jugés. Tout ça, ça augmente la frustration de la population. Nous pensons que c'est le rôle
des députés nationaux, provinciaux et des leaders communautaires de déclencher un processus de dialogue pour prendre en charge toutes ces questions qui créent de frustration dans la population. Enfin, c'est l'axe militaire, sécuritaire. Notre armée est là. Notre armée, c'est l'unique armée que nous avons. L'erreur que nous commettrions et que nous commettons effectivement, c'est de donner toujours une image trop négative de notre armée. Cela ne sert pas du tout la cause de notre pays. L'armée est constituée de nos frères et sœurs qui sont au front. Et la première nuit que j'ai passée à Béni, deux militaires ont été tués. Des gens qui ont abandonné leur famille très loin et qui s'exposent pour sécuriser le front est de notre pays. Nous n'avons pas le droit de le mépriser ou de le ridiculiser. Naturellement, parmi les militaires, il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit. Il y en a qui commettent des battues, comme ça existe dans toute famille. Mais je crois que nous n'avons pas le droit de parler toujours de notre armée comme nous aimons le faire de façon négative. Malgré ces tableaux sombres, malgré cette situation préoccupante, nous restons confiants. Nous pensons que cette situation ne pourrait continuer à se développer que si nous-mêmes, comme peuple congolais, nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, de prendre notre destinée en main. Et pour cela, il faut une prise de conscience au niveau national, partir du principe que notre pays est en guerre. Il y a beaucoup qui ne se réalisent même pas que le pays est en danger, qui ne se réalisent pas que le pays est en guerre. Et là, je vous prends à témoin, c'est aussi vous de la presse, vous ne relayez pas suffisamment la gravité de la situation qui est à l'Est. On peut tuer des militaires, on peut tuer des populations. J'ouvre ma télévision le soir, même la télévision nationale. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On est sidéré. Mais si la presse nationale n'en parle pas, qui va informer la population? Là aussi, c'est le moment de remise en question de votre part, hommes et femmes de la presse. Nous ne couvrons pas suffisamment le drame qui est en train de se jouer à l'est du pays. Et surtout quand on est du côté de l'ouest, ici à Kinshasa, on pense que c'est une affaire de nos frères et sœurs qui sont à l'est. C'est leur problème. Nous ici, on se marie, on fait la fête, généralement on célèbre ici à Kinshasa, pendant que le pays est en feu. C'est irresponsable. Et avoir la position et à son éminence, la proposition de la déclaration, il y a deux propositions pour imposer la guerre contre Rwanda. Position Yangaï. Ma proposition, d'un côté, na koki kolobate likambo mosito alobi, ezali presque sentiment ya bana Congo baso. Soko yoki pasi bandeko bazali koyoka kuna na est. Moi, tentation ya kokanisa lokola mosito ezali au moins vérité ezali likambo. Mais en même temps, na limite kokimisa bana Congo. Il faut que les moto, le corps Jésus-Christ soit rubaki, fanda nano. Mais autant là, moins que vous allez n'ayez pas, et l'on connaît depuis
Rosalie Nayango, on a beaucoup de tout. Dans le contexte, il y a des gens sans retourner et tout. Contre Rwanda, tous allez la chance sur le monde. Tout bandanano, outil à Molongo, tout bandanano, pour qu'on dise armée à l'Isso, le roi dans le piano, tout fait sa moyen dans l'armée pour qu'on a pour ça la moussa. Sans retourner pour qu'on dise armée de proposition à l'Indouana et d'aller risque mon aide pour la mission. Et d'aller risque. Voilà, c'était donc le cardinal Fridolin Ambongo qui s'exprimait donc par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que le prélat catholique a essayé de peindre la situation qui se passe actuellement à l'est du pays, tout en y apportant quelques réflexions, quelques pistes de solutions. Et vous faites partie de ces gens aussi qui peuvent proposer des pistes de solutions, raison pour laquelle j'attends vos appels tout à l'heure pour savoir ce que vous en pensez. Mais entre-temps, essayons donc d'analyser cette situation, toutes ces déclarations du cardinal avec notre expert maison, notre consultant, Maître Aimé Kaungu, qui est en direct avec nous de Dallas au Texas. Nous allons donc essayer de le prendre et essayer d'analyser donc toutes ces déclarations du prélat catholique. Maître Aimé, bonsoir et merci encore d'être là avec nous ce soir. Bonsoir Marius, meilleurs voeux à vous et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Maître Aimé, merci hein, encore une fois, félicitations parce que là il y a votre photo de la graduation qui s'affiche, donc ce qui veut dire que vous avez accompli quelque chose de grand et il est très important que nous puissions également faire la promotion de ce que vous avez fait pour que les jeunes qui vous suivent puissent être inspirés par vous. Félicitations encore. Merci beaucoup Marius, merci beaucoup, je vous en prie. Alors je rappelle donc que vous avez présenté votre master en... Vous avez défendu votre master en affaires aux... Dites-moi maître, c'était quoi? C'est en droit international des affaires. Droit international des affaires. Et votre notamment spécialité. En oil and gas, en pétrole. Voilà, dans le pétrole. On vous souhaite une longue carrière après ces études qui vous ont pris énormément du temps. Maintenant, parlons de revenons à l'actualité. Pour cette première émission, vous nous faites l'honneur d'être là. Je rappelle que la prochaine fois, vous pourriez être là en direct par vidéo. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler d'ailleurs, parce que nous sommes en train d'échanger du matériel pour faire en sorte que nous puissions être en mesure de vous avoir aussi en direct par vidéo. Alors, maître, vous avez suivi toutes ces déclarations du cardinal. Je voudrais commencer avec vous, avec le concept même de la balkanisation dont il parle. Oui, c'est vrai que nous en parlons, mais le Congolais lambda n'a peut-être pas une vraie définition de la balkanisation. Est-ce que vous pouvez, en quelques secondes, nous expliquer ce que c'est que la balkanisation d'un pays? Merci Marius. Effectivement... nous en parlons un peu trop chez nous au pays. Bon, en fait, certains pensent vraiment que c'est un terme qui est né avec la RDC. C'est le terme de balkanisation est né depuis la Première Guerre mondiale, donc les années 1914-1918. Mais le cas le plus connu, que, en tout cas notre génération connaît, des années 90, avec l'ex-Yougoslavie, vous savez, nous avons connu un pays, nous, à notre époque, qui s'appelait Yougoslavie. C'était un pays que les gens attendaient, surtout au mondial de football. Vous savez, ils avaient des grands footballeurs, ce pays-là. Mais vous savez, le pays n'existe plus. Et le pays n'existe plus à la suite de la balkanisation. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. C'est un phénomène qui existe, mais sauf que sur le plan international, le concept balkanisation a un sens négatif. Et du fait même qu'il part d'un effondrement d'un État. Il part de la fragmentation d'un État. Voilà pourquoi on lui colle un sens négatif, puisque la tendance est d'être unie, mais quand la balkanisation arrive, elle divise, en fait, c'est ça. C'est la division ou l'effondrement d'un État ou d'une région en plusieurs morceaux. Vous voyez, c'est en fait ça le terme balkanisation. Balkaniser, c'est diviser, se fragmenter. Est-ce que si on voit ce qui s'est passé avec le 26 provinces prévues par la Constitution, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est une balkanisation?
Non, le 20, ça c'est la division interne. Le terme balkanisation, comme j'ai dit, a un sens négatif, dans le sens que la balkanisation engendre, c'est une situation de droit qui amène une souveraineté dans le chef des petits États qui se sont désolidarisés du grand ensemble. C'est ça le sens de la balkanisation. Quand il y a balkanisation, c'est-à-dire que l'État s'effondre et c'est plusieurs morceaux qui émergent, qui deviennent autonomes. Le cas de la Yougoslavie, vous savez, avec la balkanisation de la Yougoslavie n'existe plus. Nous avons maintenant plus ou moins 6 États. La Bosnie, nous avons la Bosnie-Herzégovine, nous avons la Slovénie, nous avons le Monténégro, nous avons la Serbie. Tous ces pays-là viennent de l'ex-Yougoslavie. Donc avec l'effondrement de l'ex-Yougoslavie, la Yougoslavie est partie, et s'est effondrée, a disparu, et c'est d'autres États qui sont nés. Voilà le sens de la balkanisation. Mais il peut aussi s'agir d'une balkanisation où il y a une partie qui s'en va et il y a un ensemble qui reste. C'est le cas de la Russie, l'ex-URSS. Oui. Voilà. En fait, l'ex-URSS n'existe plus. Mais il y a un ensemble d'États qui se sont désolidarisés, qui sont devenus autonomes, notamment l'Ukraine. Il y a l'Ukraine, il y a l'Estonie, il y a la Géorgie, il y a la Moldavie. Tous ces pays-là sont tous ces États qui composaient l'URSS, l'Union soviétique et consorts, sont devenus des États à part. Ils ne font plus partie de l'Union soviétique. Et le terme URSS a disparu pour ne garder que la Russie. D'accord. Vous voyez ? Dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut dire que c'est que les observateurs, notamment le prélat catholique, craignent, c'est que des provinces comme celle de l'Est proclament leur indépendance ? C'est ça qu'on peut appeler balkanisation ? Bon, généralement, la balkanisation a trois motivations, trois principales motivations. Il y a des motivations politiques, des motivations sociales et des motivations culturelles. Ok. Je peux considérer deux socio-culturels. Donc, en fait, dans social et culturel, je mets ça socio-culturel. Pour quel motif ? Je vais expliquer. Vous savez, par exemple, pour le cas de l'ex-Yougoslavie, le problème, c'était l'ex-Yougoslavie avait plus ou moins 20 groupes ethniques. Et quand le groupe, une ethnie entre en conflit avec l'autre, il y a cet effondrement-là, cette guerre ou ce contact frontal, ce contact armé va engendrer une division entre deux États ou plusieurs États à la suite de différences ethniques. Maintenant, chez nous, je crois que vous comprenez là où je vais arriver. Quand je dis socio-ethnique, socio-culturel, je vois l'ethnie en ce qui concerne la situation de notre pays. Donc, en d'autres termes, la balkanisation va se jouer non pas sur le plan politique, qu'il y a un groupe qui se sent délaissé, marginalisé par rapport à un autre, ils se disent, bon, faisons notre État à part, mais il y a un groupe qui se dit, bon, nous sommes différents des autres, on ne nous considère pas, alors devenons autonomes, comme ça nous allons nous-mêmes nous prendre en charge. Voilà ce qui peut être la raison, parmi les raisons de balkanisation. Mais nous avons aussi une autre religion, une autre raison, ça peut être une raison religieuse. C'est-à-dire qu'il y a les musulmans, il y a les chrétiens, les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Ok, ceux qui veulent prendre l'autonomie disent, ok, nous allons. Ils sont forts, ils s'imposent, ils sont reconnus comme tels et ils deviennent autonomes. L'État se balkanise. Alors, quand je vous entends parler, vous me rappelez mon professeur d'histoire à l'école primaire. Vous parlez tellement bien, on apprend tellement. Alors, maître, maintenant, revenons au cardinal, revenons à la personne. Alors, je veux dire, c'est quand même des déclarations fortes venant de quelqu'un qui a une certaine responsabilité de parole comme le cardinal. Est-ce que le fait qu'il le dise, on peut prendre ça comme une parole d'évangile ? Si lui, il le dit, ça veut dire que c'est très sérieux. Oui, Marius, bon, ouais, il faut prendre les propos de Monseigneur, du cardinal plutôt, comme finalement le point d'aboutissement de tout ce que les gens disaient, et peut-être dont on ne prenait pas en considération. Mais nous pouvons considérer que quand le cardinal s'exprime sur un cas particulier, ça veut dire qu'il a pris du temps,
il a mis des moyens pour le faire et surtout il dit lui-même s'est déplacé, il a été sur les lieux, il n'a pas appris, il n'a pas attendu un rapport écrit, mais il est descendu sur le lieu et quand il le dit, ça veut dire qu'il a eu le temps de mûrir l'information qu'il a recueillie. Donc, je pense que compte tenu de sa personne, et je dirais même de sa personnalité, il y a lieu de croire qu'il y a plus de vrai que de fausseté dans ce que le cardinal a dit. Alors, revenons maintenant à l'homme, le cardinal. C'est vrai que on sait que le cardinal, notre cardinal, le cardinal de la RDC, ils sont deux jusque-là, enfin celui qui est l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et il dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. À l'inverse du cardinal Laurent Monsengwo Passigna, qui aussi, quand il disait quelque chose, comme par exemple « médiocre », ce terme a été récupéré par tout le monde. Mais on a l'impression que le cardinal Ambongo bondit sur chaque situation et il s'exprime sur toutes les situations. Si tu veux, il parle tout le temps, chaque fois qu'il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas crainte de voir que finalement tout ce qu'il dit n'est pas pris à sa juste valeur par rapport à ce que faisait Monseigneur, le cardinal Monsengwo? Comment est-ce que tu peux nous faire le parallélisme entre les deux personnalités? Bon, vous savez, Marius, je crois que les deux, déjà, évoluent au sein de la même église, mais ils n'ont pas évolué tous dans un même environnement. Vous voyez? Et ils n'ont pas tous évolué au même temps. En d'autres termes, nous venons de connaître le cardinal Ambongo comme monseigneur récemment et comme cardinal il n'y a même pas une année. Mais à l'époque où nous avons connu monseigneur Monsengwo, il était pratiquement le seul de l'église à émerger. Donc il n'avait pas l'ombrage, comme aujourd'hui on compare Messi et Ronaldo, tous sont en train de compétir sur le même terrain et au même moment. Mais quand monseigneur Monsengwo a évolué, il a été pratiquement seul. Et dans un contexte qui était extrêmement différent de celui d'aujourd'hui. Vous savez, à l'époque, Monseigneur a émergé, il a fait la pluie et le beau temps à l'époque de Mobutu. Et on sait, quiconque faisait face à Mobutu était héros, surtout s'il restait encore en vie. Et Monseigneur l'a fait à plusieurs reprises. Voilà ce que, et les fonctions politiques qu'il a eu à exercer comme président du Parlement à l'époque HCRPT, au Conseil de la Transition. Donc, je crois que ça, c'était déjà beaucoup pour faire de lui une personnalité nationale, en dehors des responsabilités religieuses qu'il avait, puisqu'il devenait pratiquement une personnalité politique. Voyez ? Alors que Monseigneur Ambongo n'a pour arme que sa soutane. Mais Monseigneur Monsengwo avait aussi la veste, comme la veste d'un politicien, comme arme. Et peut-être, je crois qu'on ne pourra pas comparer les deux de la même manière. Et aussi, il y a un problème de tempérament qui intervient. Chacun de nous a son tempérament. Il y en a qui parlent, qui n'ont pas la langue dans la poche. Il y a des gens qui sont très réservés. Donc, je crois que ça aussi, ça fait partie de la personnalité de chacun d'eux. Alors, d'aucuns diraient, voilà, c'est un cardinal catholique qui a parlé. Et puis voilà, il a dit ce qu'il pense. Et maintenant que tout le monde peut s'exprimer librement, c'est bon, il peut juste s'exprimer. Mais c'est quoi la force de la parole d'un cardinal dans un pays comme la République démocratique du Congo? Oui, merci Marius. J'étais tenté, j'avais pensé que ta question serait c'est quoi la force de la parole d'un cardinal? Bon, comme tu ajoutes à une République démocratique du Congo, ça devient plus précis puisque j'allais vraiment m'étendre un peu plus largement. D'accord. En commençant par l'Asie, sillonné par l'Amérique ou l'Europe. Comme là, tu circonscris déjà. Tu m'épargnes de faire ce tour-là. D'accord. Alors, en fait, j'allais simplement dire qu'un cardinal congolais, quand il s'exprime, sa voix est perçue différemment ou l'audience est différente quand un cardinal chinois, je crois, il existe, quand un cardinal chinois s'exprime en Chine. Et aussi quand un cardinal, s'il existe, s'exprime en Irak ou en Iran. Tout dépend de l'audience. Quels sont les fidèles qui sont prêts à l'écouter et à entendre son discours, et même à considérer que ce qu'il dit est vrai, peut-être éventuellement il faut le suivre. Donc ici déjà, chez nous au pays, plus ou moins, je crois, si je dois m'en tenir aux statistiques que j'ai, c'est plus ou moins 40% de la population est catholique. Bon, qu'on ne confonde pas catholique et chrétien, je parle simplement des catholiques, ceux qui vont chez les prêtres.
plus ou moins 40%. Donc, si on considère que nous sommes à 100 millions d'habitants, plus ou moins 40 millions, c'est des catholiques. Et si vraiment on peut être dur envers les statistiques, considérez, vous voyez, les élections de la fois passée, c'est plus de 45 millions d'électeurs qui avaient été recensés. Donc, à supposer que tous les catholiques avaient été recensés, on peut considérer que tous les électeurs du scrutin passé étaient catholiques, à supposer. Donc, en d'autres termes, c'est une frange importante qui peut déterminer la vie de la nation. Cela à qui le cardinal s'adresse principalement en tant que prince de l'Église, puisqu'en tant que cardinal, il est appelé prince de l'Église. Donc déjà, au regard de ses fonctions, sa parole porte. Et au regard de la démographie de ceux qui sont les adeptes de sa religion, aussi sa parole compte. Et non seulement ça, mais au niveau aussi par rapport à son rang. Un cardinal, on estime que ce n'est pas n'importe qui. Et quand il parle, c'est-à-dire que ce qu'il dit est sérieux. Il a tamisé, il a sélectionné, il a trié. Sa voix compte. Donc voilà, c'est ce contexte-là, quand il parle chez nous au Congo, il y a lieu de l'écouter, il y a lieu de penser que ça peut avoir des effets. Alors maintenant, oui, le cardinal en parle. Tout le monde commence à se lâcher un tout petit peu par rapport à ce sujet qui, on peut le dire, il y a des années, ne se disait pas sur la place publique. Hein. Il était difficile de parler de balkanisation ou de l'agression rwandaise ou de l'implantation des populations, de déversion des populations, comme il le dit. Est-ce que cette fois-ci, après que différentes langues se délient, notamment celle du cardinal. On l'a entendu d'ailleurs, j'ai vu une interview de mon confrère Popol Mukelenge avec Kofi Olomide, qui parle aussi du Rwanda en tant que politique qui veut s'aimer le désordre à l'est de la RDC. Est-ce qu'on peut dire maintenant, maître, que les choses sont en train de bouger de ce côté-là et que ça va bouger? Bon, je voulais vous rassurer. Si vous êtes du côté de ceux qui n'aiment pas la balkanisation du Congo, mais si vous êtes du côté de ceux qui aiment, pas vous ou Marius, mais ceux qui nous entendent, ils seront déçus. Et je veux dire simplement qu'il y a eu des tentatives de balkanisation dans le monde qui ont échoué. Ça, cette information existe. Hein. Vous savez, non loin de chez nous, au Nigeria, avec le Biafra, il y a eu tentative de la balkanisation du Nigeria, mais ça n'a pas réussi. Il y a aussi avec au Cachemire, le Cachemire indien en Inde. Vous savez, il y a une partie de l'Inde qui est constituée principalement des musulmans qui voulaient se séparer de l'Inde, mais ça n'a jamais marché. Et il y a aussi une partie de l'état de Sri Lanka avec le mouvement séparatiste Tamil Tigers. Les Tigers en français. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement de balkanisation, il réussit. Et là, ça m'amène à expliquer que la balkanisation, c'est un processus. Donc, on ne pense pas que c'est un acquis, on ne peut plus rien faire, c'est déjà acté, ils ont obtenu le résultat, et il faut simplement constater, non. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité des tentatives de balkanisation qui ont échoué. Donc, voilà. En tout cas, on espère que celle de la RDC, on le souhaite, va échouer. Il demande d'ailleurs, le cardinal, l'implication de tous pour que tout le monde sache que le pays est en guerre. Alors, maître, merci pour cette première partie. Je veux vous proposer la deuxième partie de cette émission. Il est réapparu, Némoine Dansemi. C'était curieux de le voir. De voir ces images que son groupe de presse, je crois, a voulu montrer. Je ne sais pas exactement comment on peut prendre ces déclarations de Némoine Dansemi. Est-ce une déclaration politique ou une déclaration religieuse ou il s'autoproclame président de la République? Gardez votre souffle, maître. Je vais vous poser des questions tout à l'heure, mais je vous invite à regarder donc cette réapparition de Némoine Dansemi, le chef du regroupement politico-mystique Bundu-Gamayala mouvement. On va regarder ça. Et puis j'aimerais bien savoir ce que vous, maître, en pensez tout à l'heure. Chers compatriotes, les Bantous d'Afrique centrale, particulièrement le peuple congolais
la République démocratique du Congo. Le mois passé, un conclave dans cette Bantou s'est tenu à Banzabella, dans la ville sainte Assini-Kolongo. Au cours de ce conclave, dont Nelson Mandela était le grand modérateur, j'ai été promu au rang des leaders du peuple bantou de l'ère du berceau. Parce que les Tutsis ont nous servi comme leaders. Un peuple qui n'a pas de leaders est semblable à un troupeau sans berger. Jeudi passé, le seigneur Sabaoth, le commandant en chef de l'armée céleste, est venu me voir au palais royal de ma campagne. Le Seigneur est géant, majestueux. Le moindre fils qui reproche, vous avez l'impression qu'il y a des tonnerres dans le ciel. Le Seigneur est venu me voir. Il a dit, moi, Nassim, le courant invocatoire de ces 30, 60 dernières années ont dénoté la misère du peuple congolais. Et pourtant, le ciel a tout donné à ce pays merveilleux. Il a donné du diamant, de l'or, du coltan, du cuivre, du manganèse, de la bauxite, de l'eau et des forêts. Malheureusement, le peuple congolais souffre beaucoup. Pourquoi cela, moi dans une vie? Quand j'ai regardé le Seigneur, il avait l'air de la sévérité dans ses yeux. Et j'avais l'impression, j'entendais des tonnerres dans le ciel. Pourquoi cela, moi dans une vie? J'ai répondu, Seigneur, parce que le peuple congolais a une classe politique congolaise qui est médiocre. Le Seigneur Sabaoth, tenez ça ici. Le Seigneur Sabaoth a coupé court à Némoïda Sémi, en lui disant ceci, à partir de ce jour, c'est toi qui deviens le président de la République fédérale du Congo. Je te donne la mission de mettre fin à la misère de ce peuple. Il marche là. Il est rentré dans le ciel. Après cela, le Seigneur Sabaoth est parti au ciel. Voilà, mes chers compatriotes, la mission que le Seigneur Sabaoth m'a donnée. De mettre fin à la misère du peuple congolais. Ainsi, à partir de ce jour, ce 4 janvier, la présidence de Mascara, de Félix Tshisekedi, qui n'a pas été élu par le peuple, prend fin. Un Congolais. Sa présidence de Mascara prend fin. Mais c'est un citoyen de ce pays. Il va vivre en paix ici à Kinshasa ou au sud du Kassai. Il choisit où il veut vivre en paix. C'est un citoyen de ce pays. Et moi, j'ai reçu la mission de trouver l'abondance pour le peuple congolais. Félix Tshisekedi aussi fait partie du peuple congolais. Ce que je lui reproche, c'est qu'il est marié à une femme rwandaise. Les Balois ont beaucoup de belles femmes. Lui n'a pas trouvé une belle femme à épouser. Les Balois sont les neveux de Bakongo. S'il n'a pas trouvé une femme au passage, il aurait pu venir dans le bas pour chercher chez ses oncles. Non, il a épousé une Rwandaise. Donc, sa présidence de Mascara, parce qu'il n'a pas été élu, prend fin. Mais Mfumu,
Makatumba. Il va mourir, parfois, il va mourir, Batumba. Montre le Seigneur, le Saint-Sabao, et des amis faire un coup d'état divin. Il a passé le pouvoir à un grand ministère Congo, qui est un général. Parce que dans un général, Aménaïe. L'Occident a demandé à Mobutu, général Mobutu, avec Tshisekedi, de faire un coup d'État. Ils ont essayé d'arracher le pouvoir au Bakongo, le pouvoir de Kassavu. On vous a arraché le pouvoir. Le Seigneur Sabaoth est descendu. Commandant en chef de l'armée céleste, il s'est adressé à son commandant, qui est le grand Tshisekedi Kongo de Mandaseni, à le nommant président de la République démocratique du Congo. Moment, je demande au président Kabila à partir d'aujourd'hui de partir en exil dans un pays de son choix pendant 3 années. Après, il pourra rentrer soit au Rwanda ou revenir au Congo en tant qu'homme d'affaires, pas en tant que président. Au Rwanda, on n'acceptera jamais qu'un Congolais devienne le président. Et aussi, le président Kabila, il va devenir un homme d'affaires. Je suis disposé même à lui donner la nationalité congolaise s'il remplit la loi. Parce que le ministre de l'Intérieur va quitter la loi pour avoir la nationalité congolaise. Il va revenir en tant qu'homme d'affaires. Il a volé beaucoup d'argent. Il est milliardaire. Il va investir. Procurer du travail à quelques Tutsis et au Bakongo. C'est tout. Voilà. Que j'ai demandé. 1. La présidence de Mascarade de Félix Tshisekedi, prend fin. Mais Félix Tshisekedi est un fils du pays. Il est libre de laisser à Kinshasa ou d'aller au sud du Kassai. Parce que lui aussi va bénéficier de l'ordre qui m'a donné le Seigneur Sabaoth de mettre fin à la misère du peuple congolais. Fini. Mais le président Kabila, on ne nous arrive pas. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Le glissement, c'est nous. Tous ces mois, on m'a fait la guerre. Voilà des gens qui ne comprennent rien. S'il a eu 3 ans de plus, c'est à cause de moi. Mais il m'a fait la guerre. Ingrat. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Il ne nous arrive plus. Qu'il parte en exil. À partir de demain ou après demain, qu'il parte en exil. Et demain ou après-demain, je nommerai un premier ministre. Naturellement, je ne suis pas Moutakassavou qui a nommé Iléo un nouveau premier ministre, puis Adjouba un nouveau la premier ministre, puis Tombé un nouveau de Katanga premier ministre, puis Kim. Je ne suis pas. En fait, voilà. Il fallait bien qu'on vous propose ces images pour que nous puissions réfléchir. Pour que nous puissions comprendre et savoir ce qui se passe réellement. Némoi Dantsemi, ce n'est pas n'importe qui. C'est un leader politique avec un mouvement, Bundu Dia Mayala, qui a ses adeptes. Et il a fait la déclaration, les déclarations qu'il vient de faire. Maître, vous êtes toujours là avec nous. On va essayer d'analyser tout ce que nous avons entendu tout à l'heure avec Némoi Dantsemi. D'abord, votre réaction quand vous... pour cette première apparition de Némoi Dantsemi après qu'il soit retourné au pays, après qu'il ait été au ciel, il est retourné. Et là, il avait demandé 3 mois et finalement, il peut s'exprimer. Et qu'est-ce que vous pensez? Merci Marius. Je pense que ça, ce n'est que l'épisode d'une pièce de théâtre qui a commencé il y a longtemps. Je pense, c'est vraiment un feuilleton. Tout le temps, il nous a parlé de son contact avec Dieu. Lui seul connaît si cela est vrai. Nous ne pouvons donc pas vérifier si ce qu'il a dit là est de l'ordre rationnel. Vraiment, ça nous échappe.
Mais simplement, comme il entre sur un terrain politique qui appartient à tout le monde, nous avons le droit de pouvoir réfléchir là-dessus. Mais quant à sa divination, nous ne saurons vraiment pas. Bon, constate simplement qu'il a atterri, comme tu as dit, il est revenu, il était dans le monde où Nelson Mandela était le modérateur. Le modérateur. L'armée céleste, il est commandant de l'armée céleste. Il est général là-bas. Et en fait, je ne sais pas comment articuler cette question. Je comprends, Marius, le mot vous manque. Comment est-ce qu'on peut... Quel crédit politique on peut donner à un personnage comme ça, qui à la fois mélange le spirituel et la politique. Enfin, comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce qu'on peut digérer ça? Voilà, c'est ça ma question. Bon, moi je pense que le monde enseigné, c'est du genre de prophète raté. Je m'excuse, peut-être c'est un prophète raté. Alors, il est resté dans ses vieilles amours de voir dans quelle mesure un jour une prophétie peut s'accomplir. Parce que vous savez, il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a fait mourir beaucoup de gens sous Kabila II. Et à cause de ses appétits politiques, et finalement, vous voyez, les gens croient trop en ce qui est religieux, c'est invisible, ils s'y mettent et ils perdent leur vie. Puisqu'il fallait suivre le grand maître, il a été en contact avec Dieu, et tout ce qu'il dit là est vrai, vous êtes invulnérables, allez-y, mais ils sont morts. Et récemment, nous savons, avant la fin du mandat de Kabila, il a été de ceux qui ont proposé une transition sous l'inspiration de Dieu. Dieu lui avait révélé qu'une transition de 3 ans, serait, 2 ans ou 3 ans, serait le meilleur délai pour aider Kabila à partir. Bon, lorsqu'il a proposé la transition de 2 ans, c'était avec Kabila élu vice-président. Bon, aujourd'hui, Kabila doit aller en exil au Rwanda. Bon, s'il avait accepté la transition qu'on lui avait proposée, Kabila serait congolais ou il serait toujours rwandais, mais dirigeant le Congo. Donc, vous voyez, c'est ces incohérences qui m'amènent à penser que c'est un rêve qui a mal tourné. Et finalement, il ne veut pas donner l'impression que c'est un rêve, il en fait un feuilleton. Alors, en termes normal, vous avez bien dit, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qui ont trait à l'esprit et tout ça, on veut pas rentrer là-dedans. Mais quand on voit un homme politique, parce qu'il l'est, faire des déclarations comme ça, réagir comme on l'a vu, réagir sur le micro de la personne qui lui tenait le micro et dire des choses qu'il dit, est-ce qu'on peut encore prendre quelqu'un comme ça politiquement au sérieux? Bon, vous savez, Marius, les hommes politiques, un homme politique, c'est celui qui prend le risque. Et le risque, il peut être, il peut l'emporter, mais il le prend. Je prends l'exemple, Moïse, tu as pris le risque de faire une déclaration. Mais nous avons vu cette déclaration a été tournée dans tout le sens. Mais au moins, il y avait de la rationalité. Mais quand vous prenez le cas que voici de Nemo Nancé, il destitue Félix. Il dit que Félix n'a pas besoin d'aller en exil. Et s'il peut aller en exil, c'est au sud de Kassai Jumi. Mais voilà. Et il décrète celui qui est le président de la République. Mais en fait, les règnes, quand on veut être président de la République, il y a un endroit où précis on doit être. Ouais. On n'est pas président de la République sous cette forme-là. Et à cet endroit-là, quels sont les actes qu'il a posés pour prendre le pouvoir? Il n'y a rien. Bon, il s'est limité là, je crois, à ce moment-là, il est en train de dormir. Alors, mais bon, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire maintenant, mais je vais poser cette question autrement. Supposons qu'il ne faut pas non plus qu'on se leurre. Nemo Nancémi est un homme politique, il y a des gens qui le suivent. Il a fait une déclaration qui peut-être va être suivie par ses sympathisants. Supposons que cette même déclaration soit faite par Martin Fayoulou. Est-ce que ce serait une déclaration à prendre au sérieux? Bon, est-ce que Mme Semi peut être poursuivi du fait de dire qu'il destitue le président de la République?
Non, à ce stade, une telle déclaration ne suffit pas pour constituer une infraction. Okay. Ça ne peut être une infraction que quand c'est accompagné ou suivi, et accompagné, c'est-à-dire au même moment, ou suivi, c'est après la déclaration, il y a des actes qui vont dans le sens où il veut mettre en mouvement ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Vraiment, il prend une armée, il mobilise la population, il veut aller casser, il veut aller prendre le pouvoir. À ce moment-là, il sera poursuivi pour les faits connexes qu'il aura posés dans le sens de matérialiser sa déclaration. Il peut être poursuivi pour association des malfaiteurs, il peut être poursuivi pour détention illégale d'armes dont il serait possesseur pour aller briser, je ne sais pas, le palais de la nation ou briser les clés du palais du peuple, ainsi de suite. Mais tant qu'il s'est limité chez lui, avec son manager dont il rejetait le micro, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà. Donc, pauvre lui, Dieu seul sait ce qu'il a écrit dans ce disque. Apparemment, il y avait quelque chose qui était écrit que lui n'a pas prévu. Oui, oui. Il a écrit beaucoup de choses et le micro, il ne l'avait pas prévu. Apparemment, ça l'effraie. Et son papier là. Et je me demande, quelqu'un qui a été en contact avec Dieu sous l'inspiration, je pense que c'est récent, pourquoi il n'a pas pu mémoriser tout ça, il a dû écrire. Bon, est-ce que si Martin Fayoulou, maître, disait la même chose, on le prendrait au sérieux? Bon, déjà, il faut comprendre que dès que Martin Fayoulou dit que j'ai été en contact avec Dieu, voilà, j'ai assisté à une séance de travail, je pense que on aura vite compris que son monde n'est plus le nôtre. Oui. Oui. On aura vite compris. Bon, mais prenons le cas où il ne disait pas tout ce qui a précédé avant qu'il ait été en contact avec Dieu. Okay. Mais qu'il disait simplement qu'à partir d'aujourd'hui, je constate que Félix n'est pas président. Donc, la loi étant impersonnelle, il sera traité de la même manière que quiconque se sera limité à faire des déclarations sans faire accompagner cela des actes dans le sens de matérialiser. C'est sans ces actes-là qui vont constituer les actes préparatoires à la prise en compte de sa déclaration de prendre le pouvoir. Donc, il va être poursuivi pour les actes qu'il aura posés dans le sens de prendre le pouvoir. Alors, si c'était Joseph Kabila qui faisait ce genre de déclaration, qui est un citoyen congolais, même s'il est sénateur à vie, dit à partir d'aujourd'hui, je destitue Félix Tshisekedi et je deviens président de la République. Est-ce que cela aurait force de loi? Enfin, je veux dire, est-ce que ça va. Enfin, ça sera différent, la réaction? Bon, la réaction ne sera pas différente. Elle est en train d'évoluer au fur et à mesure. On est presque indifférent quand il s'agit de mon ami. On va tiquer quand il s'agira de Fayoulou, mais on prendra les choses au sérieux quand il s'agira de Kabila. Pourquoi? Voilà. Mais parce que quand il a déjà été au pouvoir, c'est lui le prédécesseur direct de Félix. Il a la majorité au Parlement. Il a un grand nombre, si pas tous les généraux qu'il contrôle. Il a tout le service dont il connaît le fonctionnement. Et quand il dit ça, dans les heures qui suivent, il faut sécuriser tout le rayon. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Maître, mais vraiment, c'est enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de regarder un peu de très près pour savoir si on peut l'aider? Parce que c'est quand même un leader d'opinion, on est moins d'Ansemi, qui a beaucoup de gens qui le suivent quand même. Peut-être que, enfin, je ne suis pas médecin, mais on peut peut-être regarder un peu plus près pour voir si tout va bien. Bon, je m'excuse, je n'entrerai pas sur ce terrain. Moi, je fais l'analyse sur ce qu'il a dit et je constate que c'est inopérationnel sur le terrain. Et je constate que ça vient de Dieu. Dieu a plusieurs manières pour agir dans ce pays-là. Il n'a pas besoin de faire tourner les gens en rond. D'accord. Donc, voilà. Maître, merci beaucoup. Hein. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Maintenant, je pense que de plus en plus, vous serez là. Et nous sommes en train de préparer une grande émission. Je voudrais vous l'annoncer. Je l'annonce aux téléspectateurs. Et si Félix Tshisekedi dissolvait le Parlement? Ça, c'est un grand dossier que je vous recommande très bientôt. Nous sommes en train d'y travailler pour essayer de comprendre tous les contours de cette affaire. Maître, merci encore et on vous souhaite une bonne soirée à Dallas, où il fait toujours très beau, je vous envie.
Je vous en prie, Marius. Effectivement, il fait beau, il fait venir savourer comme tu l'as fait il y a quelques semaines ici. Je reviendrai en ta compagnie, je ne m'ennuie pas. Merci encore. Et je vous en prie. Merci beaucoup, Marius. Merci, au revoir. Voilà, c'était donc Maître Aimé Kaungu qui nous a essayé de nous éclairer, de nous ouvrir les yeux, de nous mettre de l'eau dans la bouche. Comme je l'ai dit, même si Freddy Montieri, malheureusement, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais non, c'est ma partie préférée. Ouais. C'est celle qui consiste à vous écouter, vous qui êtes d'autres spécialistes de cette émission, qui avez un mot à dire par rapport au sujet du jour. À vous le micro. Le numéro de téléphone, si vous voulez le voir, je vais vous le donner tout à l'heure. Et vous pouvez donc appeler en direct pour vous exprimer par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Marius, chez vous. Le tout premier appel, il est de Monsieur Julio, la France. Monsieur Julio, bonne année. Allô? Oh là là, allô? Oh, monsieur Julio est parti, malheureusement. Nous allons prendre notre appel qui vient de la Belgique. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oh. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Marius. Bonsoir, cher Blaise Mboukou. Oui, c'est moi. Oui, ah. C'est Blaise Mboukou depuis Bruxelles, mon frère. Blaise, on vous écoute. Oui, je voulais participer à l'émission. Mm-hmm. Notre émission qui nous vaut trop cher, malgré que ces derniers temps, tu fais quand même un peu de l'arrêter. Non. Je viens de retourner, je suis en train de travailler. Vous avez vu notre nouveau plan. Okay. D'ailleurs, j'aurais besoin de votre aide. On en parlera tout à l'heure. Ok. Là, c'est le retour. C'est vraiment la saison 2020 qui commence. Okay. C'est le grand retour. Merci beaucoup. D'accord. Alors, merci beaucoup. Je veux t'exprimer. Marius, moi, j'allais commencer d'abord par Némoine Dantemi. Mm-hmm. Je suis très, très en colère, moi, de continuer à voir toutes ces distractions-là qui continuent, en fait. Et c'est de là que j'ai dit que le peuple congolais a un problème très sérieux. Lequel? Marius, ce pays-là, tu sais, je vais te dire un truc. Némoine Dantemi, oui, certes, il y a un moment, il était un homme spirituel. Mais depuis qu'il était, tu sais, au Congo, nos leaders, disons, spirituellement parlant, ça n'existe plus. Voire même nos chefs coutumiers. Ces gens-là sont des vendus. On n'a plus des hommes spirituellement parlant au Congo, non leaders, dirais-je. Ça n'existe plus. Kabila a dit acheter des chefs coutumiers et il a dit acheter même des hommes spirituels parlant congolais. Et parmi ces gens-là, Némoine Dantemi figure parmi ces gens-là. Ce type-là, il n'est plus. Ce qu'il fait là, c'est des distractions inutiles. Des trucs vraiment qu'on devait même pas publier, faire des publications Facebook ou réseaux sociaux, selon moi. Marius, j'allais parler sur la balkanisation du Congo. En tout cas, merci beaucoup à notre cher avocat, monsieur Aimé Kaungu, de nous avoir quand même élucidé un peu de la sorte de ce que veut dire balkanisation. Mais Marius, La balkanisation du Congo, c'est il y a de mémises qui viennent de l'extérieur. Si tu demandes aux quatre cons de la République démocratique du Congolais, tu n'en trouveras pas un Congolais qui veut se diviser de notre Congolais. Ça, en tout cas, je suis sûr que tu n'en trouveras pas. Donc, la balkanisation que Maître Aimé vient de nous élucider, il y a une Yougoslavie, oui, certes. C'était ça. Mais si tu vois, il y a un peuple slovène, il y a un peuple serbe, oui, ça existe. Mais au Congo, là, les gens qui veulent balkaniser le Congo,
ils viennent c'est pas de Congolais, ils viennent d'Haïtaïens. Le cardinal l'a bien dit, hein, il pense que ça vient de l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux ajouter par rapport à ce que le cardinal a dit, par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a un truc qui a été très important que tu penses que... Moi, j'en remercie beaucoup le cardinal. J'en remercie. Et j'arrive, bon, la personne que j'ai pas vu la vidéo qu'il vous devez aussi mettre, c'était le pasteur Mokuna. Parce que cet homme-là aussi a parlé. C'est vrai que je l'aime pas, mais ce qu'il a dit quand même, c'était aussi très important quand même. Les gens commencent à comprendre. Mais on est encore très loin. Parce qu'on est encore de soif de sentiments que je trouve parmi nous, Congolais, et qui, il est temps vraiment tout le monde, c'est comme Marius. Parce que Mme Mouzé n'est pas la commune en normalité. D'accord. Cher Blaise, merci. On va donner la parole à d'autres amis. Merci beaucoup, Marius. Bonne soirée en Belgique. Nous bonne soirée. Merci. Un autre appel qui vient des États-Unis. Allô? 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 Oui, allô, c'est Marius. Oui, c'est Marius. Bonsoir. Vous êtes en direct. Nous sommes en direct, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de parler. Non. Oubliez la télé ou l'ordinateur, je ne sais pas comment vous nous suivez. Vous êtes en direct déjà à partir de votre téléphone, parce qu'il y a un retard quand vous appelez. Mais vous allez vous entendre tout à l'heure. Vous appelez comment? Ah oui, moi c'est Célestin. Célestin, vous appelez d'où? Oui, Célestin, je vous appelle de Michigan. D'accord, c'est l'instant. Oubliez votre récepteur. Il y a un petit retard entre le téléphone et le récepteur. Ça va aller. D'accord, vous allez vous écouter après. Alors, Célestin, on vous écoute. Hein. Vous voulez réagir à quel sujet? Ok, moi j'aimerais un peu parler par rapport aux déclarations du cardinal. Mm-hmm. Pour ce qui concerne Nemanda Nseni, bon, excusez-moi un peu le terme, c'est un peu, pour moi un peu du théâtre. Mm-hmm. Ça le concerne lui, mais je vais un peu revenir un peu sur le sujet de la balkanisation de la RDC. D'accord. En fait, le cardinal n'a rien dit de nouveau, parce que le problème de la balkanisation, il y a RDC, ça c'est un problème qui est connu depuis de longues dates. Oui. Mais seulement, nous allons comparer un peu la façon dont Bazoulou Mikoloyo, un peu comme les gens ont commencé à parler lorsque le chef de l'État a commencé avec la gratuité de l'enseignement. Makile les bandits, ti les lo oyo, grève ici. Bazo et Bango, il faut le rester au sujet, mon souspon au banda, Kolobela. Maintenant, Bazo le Belasco Makambuya, balkanisation. Et quand vous allez même loin, j'ai un peu suivi un peu l'ECC à le culte d'action des grâces. C'est comme si les gens sont en train de chercher quelque chose ou un poto bandata, ce qui a dialogue moroboyé, ce qui non va faire des bazo échoué. Donc Maramouze et Belena, il y a un peu beaucoup de languille sous roche. Alors si je vous comprends, et parce que ça point de vue nayo, ce qui n'a comprendre nayo dans la sûr qui n'a comprendre nayo. Donc ce qui bat bazo lo Bela makamba balkanisation, ça n'a rien d'autre que bat baza qu'on s'ennuie bah au Luka les poux sur la tête du président de la République, sujet mon rapport de Bakoma Olobelaon. C'est ça, hein? Sans comprendre. Exactement, c'est ça. Vous allez un peu voir un peu. Donc, bon, pour vous, ce n'est pas vrai, Cardinal Mbongwali Misanga, nga naza catholique. Moi, je suis un catholique de sang. Je naza moi, la paroisse Saint-Norbert, na masangambi, la monga foula. Quand ça a commencé, Marambois, il y a gratuité, c'est l'Église catholique qui a commencé. Donc, on va proclamer le résultat, c'est l'Église catholique qui a commencé. Maintenant, c'est comme Makambo, est-ce que Karnal a qu'est-ce que Makambo Tousou pour un peu réveiller un peu la cause? Parce que, au moins, il y a des gens qui ont dit que c'est un peu de Romarius. Gratuité de l'enseignement, et puis ça qui copie à battre. Aujourd'hui, le problème de la guerre à Est, il y a des gens qui mangent à cause de l'instabilité dans l'Est. Mais aujourd'hui, les FARDC sont déterminés à pouvoir détrôner toutes les forces négatives et produire l'insécurité dans l'Est. Et comme ils sont gênés, ils sont ces gens-là, et beaucoup de gens sont maintenant en train de. Ils sont 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 en train de.
Eza bango moko batu ya est nde mais est-ce que Hollandi nina za la sur Hollandi cardinal ti ya koma na ba résolution ndenge a décrire situation na est ya RDC Nalandeki ma communiste nanda cardinal Mbongo Hollandi donc ozomona ke nyon so a lobby wana eza kaka théâtre parce que ezana bazo profiter na situation wana. Mais il n'y a rien de nouveau sur la bac. Le plan de la bacanisation est connu. Et le fait qu'il en parle, aujourd'hui, qu'il en parle pour voir, pour oui, c'est juste ils sont en train de chercher des poux sur la tête de mon président. C'est ça. Exactement. Aujourd'hui, les phares d'essai nous communiquent comment est-ce que la guerre évolue sur le compte Twitter. Ça n'a jamais existé. Ok, pendant un compte Twitter, il y en a un, il y a par des au moins que non, les autres saliboy, les autres saliboy. Et puis les ennemis là, bango pe baza pe na stratégie na bango au bazo sale. Il y a beaucoup de gens qui veulent à ce que la guerre à Estouana ait continué. Est-ce que le fait que le cardinal en parle. Et maintenant que les parents sont en train de se foncer, les gens commencent maintenant à parler. Est-ce que le cardinal en parle pour vous, Eza Azon Lobayango pour qu'il continue ou bien pour qu'il s'y là? Mais le cardinal est en train de dire quelque chose qui n'est pas nouveau. Pour moi, ce que le cardinal a dit, c'est un non-événement. Okay. Il n'a rien dit de nouveau, il y a Madame Balkanisation. Voilà. Peut-être qu'il veut parler, bon, à ça, cardinal, il faut aller voir quand même, bon, audience, Neza Makasi, il faut aller voir quelque chose, mais il ne dit rien de nouveau. D'accord. Merci Mingi, en tout cas. Tu peux sa parole, oui. Parce que au lobby, moi, Mingi. Merci beaucoup. Respect, même prochaine. Point de vue, il y a Moutou Nyonso, quelle que soit tendance là-haut. Alors, Togo Mekakouzoa, on va prendre cet autre appel de Monsieur Julio finalement qui revient. Monsieur Julio, bonsoir. Ouais, Marius. Bonsoir. Merci de prendre soin de notre mur qui apparemment a l'air propre. Je vous remercie. Ouais, très propre. Alors, très propre. Je vous écoute, Monsieur Julio. Vous voulez réagir par rapport à quoi? Et bon, par rapport à tout ce qui a été dit, en commençant par le message du cardinal. Hein, okay. Moi, je crois qu'il est important, Marius, il est important que Tolo Belagango. S'il y a un Angus sur Roche, comme les autres ont bien dit, donc il faut que Tolo Belagango, comme ça, bando kibaye bake, le peuple congolais est quand même éveillé. Bayebi ba plan na bango bayebi qu'est-ce qu'il y a derrière et l'on ne pas ça. Mais ndenge nde ko uti ko loba tout à l'heure que c'est un non événement bazolo ba ramwana pour ba salir image ya Félix Tshisekedi. Vous êtes d'accord Nayongo? Il faut pas prendre ça dans cet angle là. Moi je serais pas d'accord pour na selon ndenge yé azakota lelango. Parce que Mario s'il y a une erreur, soit s'il y a une faute, il faut qu'on lobe la erreur wana pour corriger cette erreur. Monia, voilà. Donc, Ezali peut bien être moko soki ndenge to bandai ko ba commenter sa collègue Sima par rapport à Ebola, par rapport à tout ce qui est passé derrière. Donc, il y a gratuité enseignement et que ce qui est le moto est diminué. C'est par rapport, il faut dire aussi que les commentaires, la pression qu'il y a eu derrière ont contribué aussi à la résolution de ce problème-là. Il ne faut pas l'ignorer. Voilà. Donc, si aujourd'hui il y a cette histoire-là de balkanisation, il est bien aussi d'en parler pour que, n'est-ce pas, les projecteurs puissent être branchés de ce côté-là, dans ce sens-là, et voir réellement qu'est-ce qu'il y a pour résoudre ce problème-là. Alors, pour aller directement sur le commentaire du cardinal, moi je suis d'accord, n'est-ce pas. Il y a un problème que le cardinal avait mentionné, que nous ne devons pas refuser la nationalité aux rwandophones, n'est-ce pas, aux hommes, ces hommes-là qui sont venus du Rwanda, que le Congo a reçu, n'est pas les refuser la nationalité. On ne peut que refuser une nationalité s'il y a eu demande. Ça, c'est un point d'interrogation. Y a-t-il eu demande pour qu'on leur refuse, n'est-ce pas, cette nationalité? Je ne sais pas. Mais par contre, si on ne peut pas leur refuser cette nationalité parce qu'ils sont là il y a longtemps, mais il est aussi anormal que ces gens-là, que le Congo a reçu hier, puissent venir exiger, n'est-ce pas, un territoire qui ne leur appartient pas dans ce pays-là qui les a reçus hier. Ce n'est pas normal. Donc, ce qui les rwandophones là, bazoya pour na baya ko réclamer maintenant aujourd'hui,
un territoire dans un pays qui les a reçus, en tout cas, il faut revoir cela. Mmh. Alors, rapidement sur mon Ansemi. Sur mon Ansemi, moi, ce que je plains, Marius, je plains, c'est sur ces gens-là. Bon, bah, ça, c'est Maruna en train d'applaudir. De toute façon, moi, donc, c'est-à-dire, quelque part, c'est ça le sujet. Je suis catholique. Donc ça veut dire qu'il faut tolérance. Voilà. Bon, je vous en ai tolérance, c'est ça ma casse, Marius, mais souci dans les abattoirs. Alors, très rapidement, excuse-moi Marius, j'ai quelque part aussi l'impression que dans Babiloko, il y a une crise ethnique, parce que le Longola Bisso, quelque part, un peu dans Zéla. Parce que la préoccupation majeure dans la situation RDC, ce sont les mines. Marius, il faut qu'on t'aille la Likambo, il y a une mine dans la RDC. La GKMine, aujourd'hui, si elle ne fonctionne pas, parce que Batoubazana Sima, n'est-ce pas, la communauté internationale, évidemment, donc, Oyo Bazako Lingate, que le code minier qui a été révisé, et ça l'a implémenté, mettre en application, parce que, baby, que quelque part, qu'on veut retrouver souveraineté dans côté Wana. Donc, il ne faut pas que dévier attention, les Congolais. Oh là là. Monsieur Julio, merci pour l'intervention. Tu peux sa parole, madame, je suis en ligne, on va intervenir. Allô? Allô? Bon, allez, dommage pour monsieur Julio, il est parti. Nous allons prendre notre ami Nzete Ambongo. Cher Stani, bonsoir. Allô, bonjour Marius. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Meilleurs vœux, bonne année 2020. Merci, bonne année à toi aussi et beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. On t'écoute Stani. En fait, je voulais intervenir rapidement sur, premièrement sur Lumanda Semi. Mm-hmm. Bon, ce monsieur-là, c'est quelqu'un... il voulait seulement qu'on puisse parler de lui, d'après moi, parce que il était déjà, c'est quelqu'un qui a disparu sur la scène politique il y a longtemps. Alors, il veut faire une rentrée politique. Il voulait que tout le monde puisse un peu s'intéresser, parler de lui. Mm-hmm. Mais sinon, c'est quelqu'un qu'on connaît qui, il n'a pas d'impact, Il vivait dans la clandestinité, et c'est à cause de Félix qu'il est tel qu'il est là. Et il pouvait d'ailleurs être en prison, de manière générale, il pouvait être en prison. C'est quelqu'un qui n'a pas d'impact, d'après moi. Bon, alors, en ce qui concerne... Mais il parle, il devient notre nouveau président de la République. Tout le monde peut parler, Marius, tout le monde peut parler. Le problème, c'est que tout le monde peut se réveiller un beau matin et puis dire quelque chose, mais... Quel impact ça crée, et puis donc c'est quelqu'un, c'est du théâtre ça. D'accord. À ce qui concerne le cardinal, moi je voulais tout simplement dire que la guerre de l'Est là, Marius, il y a beaucoup de choses. Alors j'ai seulement l'impression que tout le monde intervient, il y a beaucoup de déclarations sur ce qui se passe à l'Est, tout le monde veut dire quelque chose, mais la plupart de ces gens là qui disent et qui parlent, qui font des déclarations, sur ce qui se passe à l'Est, la plupart ne connaissent même pas vraiment l'origine de ces problèmes-là et le problème réel qui se passe à l'Est. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Stani. Il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure, qui pense que tout ce qu'on raconte, tout ce que le cardinal dit, on connaît, c'est du déjà entendu, ils veulent simplement salir l'image de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je ne parlerai pas de salir l'image du président. Je pense tout simplement que les gens sont agités, Les gens sont un peu agités par rapport à ce qui se passe à l'Est. C'est comme si c'est un problème qui venait de commencer aujourd'hui. Mais c'est pas parce que l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Mais c'est pas parce que c'est commencé il y a longtemps. Et d'ailleurs, il y a pas grand chose qui a été fait jusque là qu'on doit se taire. Non, Marius. Non, là, je suis pas d'accord. Si vous dites qu'il n'y a pas grand chose qui s'est c'est fait à l'Est, là je suis pas d'accord parce que... Mais cher Stani, chaque jour, en 3 mois, il y a 200 morts. Chaque jour, il y a des gens qui meurent à l'Est de la RDC. Oui, mais
Alors, le si mal, vous dites qu'on ne doit pas en parler, vous n'êtes pas congolais, quoi. Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas en parler. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas en parler. Je dis, les gens peuvent toujours parler. Mais j'ai tout simplement l'impression que les gens sont un peu agités et les gens ont l'impression de faire comme si notre armée est totalement faible. Non, ça risque de décourager notre armée sur le terrain. Parce que notre armée est déjà engagée. Et nous sommes en train de combattre avec ces gens-là. Mais on a écouté le cardinal. Il faut plus de stratégie et de messages d'unité. Le cardinal a dit que nous devons donner une bonne image de notre armée. Nous devons les encourager. Nous ne devons pas toujours parler du négatif d'eux. Ça va dans le même sens. Et pourquoi est-ce que le fait qu'il en parle dérange? Non, moi je suis pas dérangé du fait que le cardinal en parle. Ouais. Moi, mon problème, j'ai seulement l'impression que il y a beaucoup de gens qui interviennent sur la question. Et le message est tellement, met tellement le peuple en confusion et ça frustre un peu les gens de l'Est. À parce quel qu'il niveau y a vous pensez qu'il y a confusion dans le message? Quand le cardinal vient pour dire qu'il y a balkanisation et quand le cardinal vient pour dire que la plupart de quartiers et de communes où on tue les gens, il y a le peuple rwandophone qui s'installe dans ces quartiers-là. C'est un problème qui frustre un peu les gens de l'Est. Parce que vous ne me direz pas que tout celui qui est rwandophone est un étranger, par exemple. Mais il ne l'a pas dit. Et si vous avez suivi le cardinal, il a parlé de ceux qui sont là depuis longtemps, qui sont congolais, et ceux qu'on essaie de trans... il a utilisé un terme. On amène les gens de l'extérieur. Il a parlé notamment de Tutsis qui viennent de la Tanzanie, pour qui on essaie de trouver de l'espace. Et il a parlé de la situation très complexe des Adef Nalou qui sont là depuis 30 ans, qui ont eu des enfants, qui ont de la famille, difficile pour la famille de les dénoncer. Il a parlé de tout ça. Et je ne comprends toujours pas en quoi les gens pensent que ce qu'il a dit, c'est d'une... C'est-à-dire, le message du cardinal à 100% n'est pas mauvais. Il y a deux points qu'il a abordés, qui est encouragé. Il y a aussi deux points qu'il a abordé qui crée de confusion. Mmh. Moi, je pense tout simplement que le peuple devait, en ces moments, être uni sur un seul message qui d'encourager nos phares d'essai et d'aider à notre armée à récupérer les territoires là qui sont en guerre. D'accord. Et sécuriser la population à l'Est. Au lieu en place de faire des déclarations matin, midi, soir de plusieurs personnes qui créent encore la confusion. Mais le cardinal, aujourd'hui, c'est les catholiques, demain, c'est les protestants, demain, c'est Cécile, les autres appellent à une table ronde, les appellent. Donc, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on veut? Parce que moi, je pense tout simplement que c'est de la confusion et ça décourage notre armée et ça met la confusion dans la tête des gens qui sont à l'Est. Merci beaucoup, cher Stani, pour votre point de vue. Nous vous souhaitons encore une bonne soirée. Merci d'être intervenu. On va passer à quelqu'un d'autre. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Marius. Merci. On va partir en France. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Allô? Bonsoir, plutôt. Comme vous voulez. Allô? Allô? Je vous écoute. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais parler à Marius. Vous êtes en direct et c'est Marius qui vous parle. Je pense que vous regardez la télé en même temps, c'est ça? Ah oui, ouais, attendez. La télé est en retard. Oubliez la télé, concentrez-vous au téléphone. Vous allez vous entendre tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous avez une très belle voix. Bon, je vous passe mon mari qui voudrait intervenir. En plus, c'est pas vous qui allez parler, quoi. C'est pour votre mari que vous allez parler. Mais c'est quoi, ça? Bon, je l'écoute quand même. Allez, messieurs, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, Marius. Bonsoir. Content de t'avoir au téléphone parce que ça fait plusieurs fois que j'ai essayé de t'avoir au téléphone. Mais c'est vraiment très difficile. Bon, j'ai interviewé. C'est un plaisir de vous avoir aussi. Vous vous appelez comment? Octave. Octave, on vous écoute, cher Octave. Alors, j'ai déjà appelé, bon, ça fait il y a longtemps. Bon, je voudrais intervenir à propos du cardinal. Nasa quand même déçu que quand on va aller le vainqueur, le cardinal, la zone va bien être tout ça. Il ne veut pas qu'on en parle. Il ne veut pas qu'on en parle. Mais il faut qu'on en parle. C'est un sujet important pour nous. Il faut qu'on en parle. Les gens oublient que tu es rwandais, ça la guerre, M23, CNDP, quoi que ce soit. Ça la guerre contribution. Les gens oublient ça. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. Alors pourquoi tu ne peux pas se finir comme président? Il faut se taire pour ça. Non? Si on en parle, ce n'est pas parce que Bazo va prendre la félicité.
Bazoba pour le Congo, nous ne voulons pas que le Congo ait la balkanisation du Congo. On ne veut pas ça. C'est tout simplement ça. Ça n'a rien à voir avec les bandes qui que tout ça, c'est juste. Voilà, on cherche un autre sujet. Nazaï déçu. Nazaï déçu à Moutouana Ndenga Lobaki. Si vous m'êtes très déçu, on dirait ça comme on l'était. On dirait qu'il faut se taire, tout le bâtiment, tout le monde, tout ça contre Félix. Ça n'a rien à voir avec Félix. Ça n'a rien à voir avec le président. Non, non, il faut tout le monde, comme on m'a dit. Il faut tout le monde. Est-ce que maintenant que Cardinal a bandit Kolobango, est-ce qu'on peut dire que voilà, maintenant. Les gens commencent à se réveiller, les gens commencent à en parler. Et maintenant, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui peut bouger. Vous avez cette impression? Oui, moi j'ai cette impression aussi, oui. Mm-hmm. Pourquoi la voix du Congo ne soit la voix du Zaïre, l'ex la voix du Zaïre, RTNC, n'en parle pas? Pourquoi il n'en parle pas? Hein? Pourquoi la Bakango n'a pas la télévision au Congo? Ces gens qui souffrent là-bas, ce sont les Congolais. Nous faisons la fête à Kinshasa. Mais elle est pas au Koufa. Il faut qu'on en parle. Moi, je suis vraiment choqué. Je suis choqué d'entendre les gens dire que nous, on va prendre le président pour l'image du président. Ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui vous choque? Non, mais ça me choque, moi. Qu'est-ce qui vous choque? Je suis vraiment choqué. C'est comme si ces gens-là... Moi, ça fait 40 ans que je suis en Europe. Je peux rester en Europe. Mais ce qui se passe, me fait mal. C'est toi, à l'est du pays, ça me fait mal. Mais tu vas tous les jours. Mais il ne faut pas qu'on en parle. Non, président, bazar contre le président, patati patata. Mais ça n'a rien à voir avec le président. Ce n'est pas parce que Banaka a la catégorie de Bangote. Il faut te le mettre en mot. Parce que depuis Banaka a la catégorie et ça continue. Nous devons en parler. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. On vous souhaite une bonne soirée et saluez votre dame de votre. Dites au revoir à votre dame de Bangote. Merci beaucoup. Je pense que moi, le sujet aujourd'hui, je ne suis pas trop inspirée. Je vous appellerai peut-être une prochaine fois. Merci pour votre voix, ça nous a fait du bien d'entendre une voix féminine dans l'émission. Allez, okay, bonne soirée, madame. Pas de souci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Ouais. On va rester en France pour prendre cet appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Marius. Monsieur Pinto, vous revoici en 2020. Mais oui. Quel bonheur de vous avoir. Vous avez tellement une voix unique qu'on ne peut pas ne pas savoir que c'est vous. Monsieur Pinto, bonne année. Bonne année à vous aussi, et puis bonne année à tous les téléspectateurs qui sont là, et un bonne année particulier, un bonsoir à El Chaman qui est sur le mur. Oh, El Chaman. Voilà. Oui. Alors, on vous a cherché dernièrement, hein, quand on parlait de Moïse Katumbi, c'est dommage, vous avez raté cette émission. Mais bon... Revenons sur notre sujet. J'ai raté Moïse Katumbi, j'espère que je ne vais pas rater les élections législatives anticipées auxquelles je crois, moi, depuis déjà très longtemps. Nous allons en parler. On prépare une émission très sérieuse là-dessus avec Maître Aimé. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vous écoute sur cette intervention du cardinal. J'espère que je pourrai être là. Alors, pour parler du cardinal Ombongo, ici, je vais parler d'abord de Mozito parce que j'ai pas eu l'occasion d'intervenir. Je suis arrivé très tard sur cette émission-là. J'ai été surpris que l'on dise que Mozito voulait aller faire la guerre au Rwanda. Moi, j'ai bien réécouté ce qu'il a dit. Il a dit la chose suivante. Est-ce qu'on peut l'écouter avec vous? On peut l'écouter avec vous? Oui, bien sûr, oui. Allez, mais je sais pas si vous allez écouter ça. Je pense que la configuration de téléphone n'est pas... Mais on va quand même écouter ça rapidement. Ok. Rapidement. D'accord. Du pays. C'est d'abord une solution de la défense, et non pas une solution sécuritaire. La défense, c'est qu'il faut régler la situation avec le Rwanda. Régler la situation, il faut faire la guerre au Rwanda. Si nous voulons contrôler l'Est de la République, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais pour faire avec le Rwanda, il faut une armée, d'où il faut un pouvoir fort, avec des bonnes finances, occuper le Rwanda, à la limite, annexer le Rwanda au Congo. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPGL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas fin aux questions de sécurité. Donc il faut d'abord la défense. La défense, c'est l'option de la défense qui nous permet d'avoir des solutions sur les plans sécuritaires. Il faut faire la guerre. Voilà, il faut faire la guerre au Rwanda. Et il faut avoir une armée forte. Mais non, je ne sais pas ce que vous voulez ajouter par rapport à ça. Voilà. Allez-y. Voilà. Donc en fait, il dit ceci. Nous devons avoir cette posture-là, celle de dire qu'on doit faire la guerre au Rwanda. Mais avant cela, nous devons d'abord
avoir une économie forte, des institutions fortes, une armée forte. Et ensuite, il rajoute quelque chose qui est très important. Une fois qu'on aura ces trois éléments-là, cela devrait suffire pour que le Rwanda se discipline. Et donc, si seulement le Rwanda ne se discipline pas, à ce moment-là, il faudra envisager d'aller faire la guerre au Rwanda. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de bien écouter ce que disent les gens et de bien lire ce qu'ils sont en train de dire. D'autre part, moi, je suis d'accord avec ce que dit Mozito, parce qu'en fait, il ne dit que ce que tout le monde pense, ce que pense même Fatih lui-même et ce que pensait même Étienne Tshisekedi. Vous puisque n'êtes pas dans la tête de Fatih pour savoir ce que lui pense. Hein? Non, 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 je ne suis pas dans sa tête, mais j'écoute et je lis ce qu'il dit. Sauf erreur de ma part, son père a toujours dit, ce monsieur-là, c'est-à-dire Kabila, il faut l'arrêter pour le ramener au Rwanda. Ça, je ne l'invente pas, il l'a dit. Et je pense que le fils était en accord avec le père, enfin, jusqu'à ce qu'il soit président de la République. Donc, ensuite, que nous dit le cardinal Ambongo? Il dit exactement la même chose que ce que dit Mozito. Il dit, pour le moment, nous ne pouvons pas faire la guerre parce que il faut d'abord avoir une armée forte. C'est tout. Lorsque cette armée sera forte, ça donnera un signal, un message fort, aussi bien à l'Ouganda, mais en particulier au Rwanda, pour qu'ils puissent se tenir à carreau. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cela finit par poser un problème à des gens qui nous disent il ne faut pas en parler, parce que sinon, ça pose un problème à Fatih. Ben oui, ça lui pose un problème parce que il ne fait pas ce que l'on devrait faire. On ne peut pas aller faire une alliance avec un pays pour lequel tout le monde dit qu'il est responsable de 10, 12 millions de morts, et puis vous arrivez tranquillement pour commencer par dire, mais non, ce ne sont pas des morts, ce ne sont que des dégâts collatéraux. Il n'est pas en phase avec la population sur ce sujet-là. En tout cas, d'un point de vue officiel, il n'est pas en phase, parce que je pense bien que si on a une conversation avec Fatih, il va bien nous accorder que les morts qui sont en RDC sont en partie dues à des entrées sur le territoire RDC du Rwanda, mais officiellement il ne le dit pas. Et vous vous souvenez la dernière fois que je disais qu'il faisait ami avec Kabila en se claquant la bise, etc., etc. Il fait exactement la même il fait exactement la même chose avec Kagame. Donc en fait c'est lui qui est en train de troubler le bon message qu'il faut donner. L'intérêt du message de Mozito et dans Bongo, c'est que ce sont des officiels dont la parole ne peut pas être contestée. Mozito, il a fait 5 ans ou 4 ans, de 4 ou 5 ans en tant que Premier ministre, donc il sait de quoi il parle. Il n'y a que quelques, entre guillemets, je ne vais pas dire le terme que je voudrais dire, mais il n'y a que quelques personnes qui ont des yeux, qui pensent que Mozito ne sait pas de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle, donc. Alors, un monsieur tout à l'heure pense que tout ce discours vient simplement discréditer le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ceux qui disent cela, ils ont raison de le dire, qu'effectivement ça discrédite Fatih. Pourquoi? Parce qu'on n'attendait pas de lui qu'il puisse être en phase avec Kagame. Or, c'est ce que l'on constate. On nous le ramène au stade des martyrs pour se faire applaudir. Quand vous avez un ambassadeur qui critique Kagame à l'ONU, grosso modo, il faut un coup de fil de Kagame pour que l'ambassadeur soit viré. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le message que Fatih nous donne, c'est qu'il est en phase. Donc je comprends parfaitement que ces fanatiques ne veulent pas que l'on puisse parler de Béni, de ce qui se passe dans l'Est, parce que pour le moment, Fatih n'est pas en mesure de pouvoir nous donner un discours clair. Je ne dis pas que nos soldats ne combattent pas là-bas, ce n'est pas ce que je dis. Mais le discours du président, les faits et les gestes du président par rapport au Rwanda brouillent le message.
Et je comprends que les fanatiques de l'UDPS et autres n'aient pas envie que l'on puisse critiquer Fatih. Parce qu'en ce moment, d'ailleurs, dès qu'on se met à parler de Fatih, c'est comme si on avait touché à Dieu et que Mouanassim va se lever. Tiens, d'ailleurs, il l'a fait pour venir raconter. Pour venir raconter. Bon, non, ça c'est. Voilà, ma cam au théâtre de chez nous. Quoi. Faut pas. Bon, vous l'avez fait passer. Bon, ça nous a fait rigoler 2, 3, 4 minutes. Même la scénette n'était pas bonne ouais. avec les micros ouais. qui s'envolaient. Ouais. Bon, il n'est pas crédible. Je pense qu'il eût été crédible s'il avait tenu ce discours-là contre Kabila. On l'aurait pris un voilà. peu au sérieux. Mais bon, ça fait plaisir de vous entendre, Monsieur Pinto. S'il vous plaît, ne partez plus. Revenez souvent. Eh bien, j'attends vivement cette grande émission sur les élections législatives. Anticipé. Très bien. On en parlera. On est en train de préparer ça. Merci encore hein, d'être intervenu. Et je vous souhaite une bonne soirée. Très bonne année encore à vous. Merci. Au revoir. Voilà. L'avant-dernier appel de l'émission. Allô? Allô, Marius. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ne dites pas. Allez-y. Ça va venir, ça va venir. J'étais en train de penser à vous tout à l'heure, d'ailleurs. Je peux te le dire. Donnez-moi juste l'initiale. Le premier. Elle. Laurent. Monsieur Laurent. Monsieur Laurent. Bonsoir. Oui. Merci beaucoup, monsieur Laurent. Désolé, des fois j'ai plein de noms dans ma tête et puis j'essaie de les tourner en rond. Après, ça n'arrive pas avec tout ce que j'ai dans ma tête. Voilà. Monsieur Laurent, je vous dois un appel. Merci. Et je vais vous appeler. Merci beaucoup de m'avoir pris. Une voix de l'intérieur est toujours bonne aussi. Ok. Vous êtes au Congo. On vous écoute, monsieur Laurent. Comment va votre femme? Oui, je suis à Kinshasa. Exactement, suis à Kinshasa. Votre femme, elle va bien? Oui, elle va bien, elle dort déjà. Oh, très bien. Alors, on vous écoute. Elle dort. La fois passée, elle voulait t'appeler, mais tu étais presque disparu. Tu y as déjà répondu à cette question, comme je suis d'émission. Désolé. Mais moi, je vais vous appeler, c'est promis. Alors, je vous écoute, monsieur Laurent. En tout cas, je tiens à cette émission avec notre frère. Mais je voulais que tu m'appelles pour qu'on parle aussi en privé. Je vais vous appeler. Quand moi, j'appelle, ça ne passe pas. Je vais vous appeler, monsieur. Au numéro, parce que j'ai tous les deux numéros. Je vais vous appeler, je vous promets. Je vais vous appeler. Merci d'avance. D'accord, alors je vous écoute. Marius, les gens condamnent Mouanassé, mais moi, personnellement, je ne le condamne pas. La plus grande réalisation de Félix en 2019, c'est la liberté. Quand on est parfois à l'extérieur dans des pays civilisés où il y a la liberté, on ne connaît pas la valeur de la liberté. Monsieur, mon frère Marius, quand vous respirez, chaque jour vous respirez, vous dormez, vous vous réveillez, vous respirez, vous ne savez pas la valeur de l'air. Allez là où il n'y a pas de l'air, vous allez vous sentir la valeur de l'air que nous respirons. La liberté au Congo vaut plus que tout. Félix nous a donné la liberté. Moi qui vous parle ici, je ne pouvais même pas parler avec un travailleur, ni critiquer Kabila pendant que le travailleur est là. Maintenant, nous parlons librement. C'est un grand acquis. Moi, les gens sont célibaires. Laissez les gens parler. À l'époque de Kabila, il disait aussi qu'il parlait. Hein. D'ailleurs, ça lui a valu la prison, mais il parlait aussi. C'est ce que je vous dis, que laissez maintenant les gens parler. Les gens sont libérés. Quand on commence à parler, les gens essayent un peu d'aller au-delà. Mais les choses vont s'étasser. Après un temps, les choses vont s'étasser. Je vous dis que la liberté, moi qui vous parle ici, j'ai déjà été enlevé à cause de la liberté. Je suis du côté, je suis à Pigeon. On rentrait à la maison à l'époque de Kabila Père. Il y a les générales de Kabila, les chefs de la maison civile, qui demandaient la route. Et comme mon épouse, tu la connais, elle était au volant, elle a refusé.
Mais ils sont venus pour enlever mon épouse. J'ai dit non, c'est une femme. Vous ne pouvez pas l'enlever. Prenez-moi. Alors vous devez dire à votre femme quand même aussi des fois de se calmer. Parce que... On m'a pris moi, on m'a amené chez Kabila quand il habitait, Kabila père quand il habitait au palais des Mars. D'accord, d'accord, on ne va pas raconter toute l'histoire. Donc pour vous, voyez, c'est la liberté d'expression. Je veux vous dire que la liberté au Congo valait de l'or. D'accord. Et nous a donné la liberté. Nous pouvons parler aujourd'hui librement. Mais... Laissez-moi Nassemi parler. Okay. Okay. Maître a bien expliqué qu'il n'a pas failli à la loi. Laissez-le parler. C'est tout à fait logique. Ça, d'accord. Merci. Monsieur Laurent. Pour parler de la balkanisation du Congo, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. La balkanisation commence dans le cœur des gens. Et le cœur du Congolais est uni. Une fois, quand Kofi Annan était secrétaire général de l'ONU, il avait dit, en tout cas, le Congo est victime de ses richesses. Mais le Congolais a une chance, il est uni. Moi, je peux dire que Mobutu nous a donné ces petits cadeaux-là. Quand bien même il était dictateur, il a beaucoup volé, il a tué, mais Mobutu nous a aidés à être unis. Les gens de l'Est, quand ils souffraient sous Kabila, ils étaient restaient solidaires avec les autres et les autres étaient solidaires avec les gens de l'Est. Nous sommes un au Congo. Personne ne saura nous diviser. Ça, c'est resté comme ça dans notre sang, dans notre ADN. Nous espérons, c'est ça notre chance. Mais la balkanisation, ça a été programmé, ça a été codifié. Il y avait même des Américains qui faisaient des plans de balkanisation. Si on avait le temps, on pouvait aller plus loin. Mais sous Kabila, on n'a pas eu la balkanisation. C'est seulement maintenant. Okay. Kabila a tout fait pour faire la balkanisation. Ça n'a pas marché. Monsieur Laurent, merci. Hein. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous appeler et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. On va peut-être prendre un tout dernier appel de la Belgique avant de nous quitter. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Marius. Oui. Ok, en direct? Vous êtes en direct. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre récepteur, s'il vous plaît? Oui, je baisse. Comment d'accord. Vous écoutez? On vous écoute. Vous appelez comment? Oui. Je suis Samuel, le docteur Samuel. Docteur Samuel. Oui, oui, c'est moi, j'ai essayé à côté de vous appeler, j'ai dû échouer. J'ai tenté de vous suivre, c'est des détails, je sais, ça ne marche pas. Bonne année. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Oui, merci. Écoute, vous savez, nous sommes un peuple compliqué. Et Marius, tous ces gens qui parlent là, ils n'ont jamais vécu vraiment la guerre. La guerre de 96, ça m'a trouvé moi exactement à l'AMR. Je faisais les choses infirmières. Les Mukwege, je les connais. Je connais comment on a tué les gens là-bas. Moi, je suis d'ici, au de Wamba. J'ai quitté là-bas à pied jusqu'à Kaziba à Bukavu. Bukavu avait fui avec Birimba Foster. Nous, on était Dio Zahir au fouillé et je connais très bien qu'est-ce que ça veut dire. Et toutes les guerres de Kisangani, la guerre de un jour, de trois jours, de six jours, de Wamba, des histoires là, des Azaires, de Ouganda, tout ça, je connais. Les gens qui parlent là, ils connaissent rien. Mon frère, que ce soit Monseigneur Ambongo, que ce soit Bemba, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Mayou, Fayou, ou ces gens-là, c'est des Gorbatchev. C'est des gens qui sont en train de jouer une pièce théâtrale. Mon frère, les militaires que vous aviez vus à 76, à Kinshasa, ne sont pas des Congolais. Ils ne sont pas des Congolais. Moi, j'étais à Bukavu. Moi, je suis dit aux Zaïre. Je connais bien ces coins-là. Je connais ce qu'on a connu à Kisangani. J'ai perdu des membres de famille à Kisangani pendant la guerre de six jours. Donc, les gens qui parlent là, que les gens ne peuvent pas en parler, ils m'étonnent. Vous dites qu'on ne peut pas diviser, vous avez dit ça. Il n'y a pas de différence entre les gens qui supportent la manière de diriger de Félix. Et le Mandassim n'est pas mauvais. Il est exactement comme les gens qui croient en Bongo, aux gens qui croient à Bemba, à Moïse Katoulis. C'est des Gorbatchev. Ce sont des acteurs principaux pour nous diviser.
les gens qui sont des Congolais ne devraient même pas être les membres d'un parti politique. Parce que ces gens-là méritent d'être fusillés, tous. Kabila, Tshisekedi, tous ces gens-là, c'est les malfaiteurs de la République. Notre pays a été agressé depuis et on veut les diviser. Les gens qui meurent à Benimba sont des Congolais comme vous. On les tue. Et vous dites que Félix est un bon, ou des Kabila, ou des Bemba. C'est la même chose. Rose Bonnet, c'est des activistes, des impérialistes. Et c'est l'Afrique du Sud, les Rwandais et consorts qui sont derrière cette histoire-là. Écoute, nous devons être comme Mouzito là ou bien Mouzito, même si nous sommes malfaiteurs. Nous, notre problème, abandonnons ces gens-là. Mouzito là, ne faites pas ces églises-là. Laissez ces gens-là. Vous savez, quand vous faites une rupture de dialogue, même avec une copine, ces gens-là, hein, si les Congolais ne participaient pas aux réunions des pays, des pestes, tout ça, ils allaient trouver les solutions. Les gens qui se trouvent Kabila, même Félix, ils vont mordre la poussière. Félix n'a aucune structure de chef de l'État. Il ne fera rien. Parce qu'il est comme les autres qui étaient avec, on va lui. Les gens qui se libèrent ne se comportent pas comme nous. Les gens qui disent qu'on ne veut pas nous diviser. Nous sommes divisés. Quand le cardinal parlait tout à l'heure, parmi les solutions, il a notamment préconisé le dialogue, la piste de dialogue, de négociation. Écoute. Et c'est ça que la République écoute, fait. Marius, toi, tu es mon frère. Vous êtes un entrepreneur comme vous êtes là. Mais Manuela, monseigneur est à Mongo. Mais il se contredit chaque jour. Ce sont des grands traîtres. Les religieux que vous voyez, moi, la religion chrétienne, judéo-chrétienne, des histoires extrêmement dangereuses. Vous ne voyez pas ce qui se passe à Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Abidjan. Hein. Vous voyez ce qui se passe à Côte d'Ivoire. La RDC, la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. La malchance pour les gens qui nous agressent et que nous, on est nombreux. Mais à Côte d'Ivoire, au moins 40% de la population ivoirienne a été amenée par Oufoué Boigny pour agresser les autochtones. Les Ouattara, c'est des étrangers, c'est la même chose. Ce sont les acteurs de la France, des États-Unis, pour déstabiliser les Africains, pour se libérer. Les gens qui se libèrent ne doivent pas être en communion avec les malfaiteurs et leurs attributs. La religion, là, chrétienne, on a une bonne fête de Noël. Et ça, on a mis sauté de quoi. Moi, j'ai une affaire de pasteur. Ça, c'est notre débat. Oui, donc tous ces gens-là, de Comarius, Botika Batouana, Katumbi, les Tshisekedi, tout ce monde-là, Bazanet Mikhail Gorbatchev, c'est les ennemis numéro un du peuple congolais, parce qu'ils ne disent pas la vérité au peuple congolais. En bon, on n'a pas dit, il y avait devant lui le Rwanda. C'est quoi la vérité que vous... Moi, j'ai perdu les membres de famille. Moi, j'ai jamais perdu les membres de famille. Voilà. Je suis à l'étranger et je ne pense pas que si je reste à l'étranger, moi, je peux souffrir. Ça me fait mal parce que moi, j'ai perdu les gens. Okay? Je comprends. Gens qui racontent des sottises là, qu'on ne peut pas critiquer Félix. Félix, c'est qui? Est-ce que je peux parler? Toi, dans un pays sérieux, Félix peut être président de la République. Je peux parler? Oui. Je voulais pas vous interrompre. Je vous avais parlé tout à l'heure de Félix, Moïse et les autres qui ne nous disent pas la vérité. Est-ce que vous, je comprends tout à fait ce que vous ressentez hein, par rapport au fait que vous êtes de l'Est, vous avez vécu des choses que même nous ne connaissons pas. Oui. Je comprends tout à fait. Mais en même temps, est-ce que vous avez une vérité que vous connaissez, que vous pouvez partager avec nous, que Félix Tshisekedi ne connaît pas? La vérité qui est là-bas, vous voulez que je parle à la chinois, la vérité est celle-ci, mon cher Marie. La vérité est que les gens doivent être comme toi là. Tu vois comment tu es naturel? Tu es très naturel, tu ne dis pas les mensonges. Tu nous traites de la même manière. On nous trompe, le pays est agressé, il y a les éléments étrangers qui ont infiltré notre pays depuis longtemps. Et quand on dit aux gens, on dit qu'il faut prier Dieu, il faut aimer votre voisin. Non, mon frère. Mon frère, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est de l'hypocrisie. Vous voyez? Les gens menacent Félix pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ce que les gens attendaient de lui. Félix est notre frère. On attend. Il a dit que vous 2020, ce sera l'année de l'action. On espère voir des actions. Merci. Écoute, c'est une vaste blague, mon vieux. Tu as dit aux États-Unis, écoute, j'ai sionné partout. C'est une vaste blague. Il se moque de vous. Si vous ne vous soulevez pas, c'est votre affaire. Il faut un soulèvement populaire. C'est-à-dire un soulèvement populaire, ces gens-là, ils partent à tabac, on les brûle tous. On commence les choses à zéro dans ces pays-là. C'est ça la solution. C'est pas aller à l'église. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, dans votre quartier, dans votre famille, vous êtes en train de faire pour activer ce soulèvement populaire? J'ai fait beaucoup. Je suis à l'étranger.
Mais vous faites quoi? Non, moi, je ne parle pas assez de YouTube, mais j'aide aussi beaucoup les Congos. Non, je travaille, je ne suis pas un malheureux. Non, je ne dis pas ça. Oui. Vous dites qu'il faut un soulèvement populaire. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, oui, vous faites pour activer, oui, ce soulèvement populaire? Non, là, moi, j'ai fait beaucoup. Demande à ceux qui étudiaient avec Sangani. Moi, j'ai résisté quand les Rwandais étaient là. Nous étions les gens qui étaient face à Mbekane, face à Wamba, Diawamba. Moi, je suis résistant. On m'a chassé de l'université de Kisangani. J'ai terminé les études par un décret présidentiel. Si, pour votre formation, il y a une instruction académique qui est à Kinshasa, vous connaissez, où quelqu'un ne peut pas changer l'année académique à la fin du cycle. On l'a fait uniquement pour notre groupe, parce qu'on ne voulait pas qu'on était ici. Qui était un produit de FCD Goma, qui a créé cette année, parce qu'on les avait combattis. Moi, je suis connu à Kisangani. Va à l'université de Kisangani, demande le nom du docteur Itabou. Ça fait longtemps que je ne vais plus là-bas. Je n'ai pas besoin d'aide. Je fais ma vie. Moi, je suis un révolutionnaire. Je fais beaucoup à l'université de Kisangani. Nous, on a résisté là-bas. De si base, vous avez, fait, si vous avez fait des choses... Le diable ne se convertit jamais. Vous perdez le temps. Un chien ne change jamais sa position de s'asseoir. Ces gens-là ne sont pas vos frères. On vous trompe. C'est comme vous dites là, organisez-vous comme vous êtes là. C'est ce que vous faites, c'est ce qui est bien. C'est-à-dire que vous éduquez bien les enfants. Si nous sommes nombreux, oui, 10% qui comprennent la vérité, vous voyez que nous pouvons changer. C'est le principe de 20 à 80%. C'est-à-dire que peu de personnes peuvent sauver les gens. On n'a pas besoin de tout le monde. D'accord. Je vous remercie pour votre réflexion. Désolé pour tout ce que vous avez vécu, oui, hein, on le sent. Bonne soirée. Oui, moi j'ai toujours marqué. Moi j'ai vu beaucoup de gens. Vous savez, beaucoup de gens qui parlent là. Je crois que tu sais que tu es un président. Merci beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup, hein, parce qu'il est courageux. Merci. Il ne fera rien. D'ailleurs, les malheureux, ce sont les gens qui les soutiennent. Moi, je ne suis même pas malheureux. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, à vous tous, vous avez eu 10 minutes. C'était le tout dernier appel. Cher ami Alex, je vois que vous appelez, mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin et qu'on ne peut pas vous avoir en direct. Alors, j'ai un petit service à vous demander encore. Ouais, je sais que chaque fois que je peux avoir besoin de votre service, vous me le rendez. Et cette fois-ci, comme vous avez vu, nous sommes en train d'améliorer la qualité de ce que nous faisons, le studio, caméra, nous en avons de nouvelles, nous voulons donner quelque chose de qualité, mais je suis simplement, nous sommes limités par des moyens d'accomplir ce que nous voulons faire, le moyen matériel. Donc je voulais vous proposer de me soutenir pour acheter ce matériel, je vous le propose, vous allez voir. Nous avons cet ordinateur qui coûte ce prix-là. Voilà. 2 500 $. Ouais. C'est un ordinateur qui nous permet de prendre en charge tout ce que nous avons comme structure de diffusion, parce qu'il est puissant. Parce que par rapport au matériel que nous utilisons, cet ordinateur dont nous avons besoin, raison pour laquelle nous voudrions bien l'acquérir. Alors dans les jours qui viennent, si vous voulez bien, vous pouvez nous soutenir à l'avoir. Peut-être qu'on va commencer la campagne demain, si vous voulez. Peut-être pendant le mois de janvier, nous pouvons faire récolte de fonds, si vous voudriez bien nous soutenir pour acheter ce matériel pour renforcer la qualité de ce que nous vous proposons. J'ai fait une partie, je suis limité, je vous demande de me soutenir pour le reste par YouTube, en faisant votre don par YouTube. S'il vous plaît, aidez-nous à devenir meilleurs, non seulement dans les contenus, mais aussi techniquement, pour que nous puissions être en mesure de vous proposer des choses de qualité. Le matériel dont nous disposons aujourd'hui sont assez avancés et demandent que tout ce qui l'accompagne soit aussi avancé. Vous avez vu que nous avons changé notre studio, vous avez vu que même la qualité de l'image a changé. Cela demande encore un peu plus de matériel techniquement pour soutenir l'investissement qui a été fait. Et
Et je vous demande donc votre soutien pour accueillir ce matériel qui coûte 2 500 $. Très cher, je sais, mais c'est de ça que nous avons besoin pour faire quelque chose de bien. Nous pourrions avoir en direct par vidéo des invités à travers le monde. Seulement, nous avons besoin de ça. Je pense que nous pouvons le faire et je vous propose de nous soutenir pendant le mois de janvier. Nous allons lancer cette campagne pour voir si nous pouvons recueillir ce que nous pouvons avoir pour acheter cet ordinateur-là pour le live que nous vous proposons. Je vous remercie d'avance de votre soutien et j'espère que vous serez très nombreux à soutenir ce projet pour avoir ce dont nous avons besoin pour améliorer la qualité de diffusion des émissions que nous vous proposons dans cette émission Marius chez vous, surtout en 2020. Nous allons commencer cette campagne demain et voilà, je compte sur vous. Merci. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions énormément de nous avoir suivis au nom de Maître Aimé Kaungu qui m'a aidé à vous préparer cette émission et à vous la présenter. Je vous dis merci. Freddy Montiri vous dit aussi merci, même s'il n'a pas été là aujourd'hui. Et au nom de tous ceux qui de près ou de loin sont là, nous soutiennent chaque jour pour que nous puissions être chez vous, nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver demain à partir des 16h de Washington DC, 22h de Paris et de Kinshasa. Voilà, 21h en temps universel. D'ici demain donc, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Merci encore et bonne soirée chez vous. Allez, au revoir. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.